Ok, bonsoir, bienvenue pour ce nouveau live. Je vais mettre en pause pour m'assurer que tout va bien et pour vous accueillir sur Medieval Dynasty pour une nouvelle soirée en live. Je suis trop content, c'est le meilleur jour de ma semaine, meilleure soirée de ma semaine. Pouvoir me retrouver dans le village avec vous pour faire avancer les choses, ça va être trop bien. Bienvenue Lucas, Amodef, Étienne, Kevin est là également, Réginald, Chacha24 est là, salut à toi. Pasqual, Pixeler le brave est là, merci Omodo d'être présent ce soir. Sylvain, salut, comment vas-tu? Et Tot, Thomas, salut. Bienvenue, bienvenue. Samuel Clich, salut. On est parti. Alex, Mathieu, salut. Alex, bonsoir. Panzerhammer, salut également à toi. Fab, bonsoir. Plein de choses au programme aujourd'hui. Alors attendez, je dois un peu rarranger mes fenêtres. Et puis, on va partir. Parce que j'ai pris des petites notes, évidemment, vous m'avez laissé des commentaires, je les ai tous lus sur les vidéos YouTube. Donc je sais que j'ai fait des petits trucs que je dois réarranger un petit peu, mais ça va aller, ça va aller. Bonsoir à tous, Alex, salut, Alexandre, Mathieu Auclair, salut, ça va bien, merci, Olivier. Pouleman, excellent pseudo, bienvenue à toi. On n'est pas là pour semer des lentilles, Didil. Jean-Philippe et Yves, salut, Matt49, salut. Romain, hello, bienvenue, Rick Full. Et Nico HZD qui rejoint ou peut-être a déjà rejoint auparavant et recommence, se redevient membre, je ne sais pas. Je ne vois pas bien la différence dans les infos que j'ai, mais en tout cas je te remercie beaucoup Nico, c'est très sympathique de ta part, très généreux. Merci de rejoindre le collectif. Du coup tu me dis c'est un nouvel abonnement ou si c'est un nouveau, ce qui est la même chose. C'est un nouveau ou bien c'était un ancien que tu renouvelles? Je ne sais pas. Je peux pas le voir. Moi, je lis bienvenue en tant que nouveau membre ingénieur, donc j'ai l'impression que c'est nouveau. J'ai l'impression. La musique du jeu s'est coupée, c'est très embêtant. Ok, allez, on est parti. Mais oui, pourquoi elle s'est coupée la musique? Je pense qu'elle va revenir, elle s'est arrêtée temporairement. Donc on a des choses à faire, les amis. On a des choses à faire. Shkaro, salut! Et on va commencer par aller dans l'atelier du tailleur. Bon, c'est le début de la journée, on a le temps aujourd'hui. On a le temps dans ce live de faire les choses. Edgar est bien occupé avec son tissage, je le félicite, c'est du beau boulot. Bravo Edgar. Tu permets, je vais gérer un petit peu tes activités. C'est-à-dire qu'on va aller dans tout ce qui est production, couture. Peter, salut. Nathan, hello. Et on va gérer un petit peu... Voilà, les productions, parce que je me suis un peu loupé. C'est-à-dire que le tissu en lin, il faut d'abord transformer le lin, les tiges de lin en fil de lin, évidemment. Donc on va produire, on va être moins ambitieux sur la production de sacoches, de chaussures, etc., qui sont les produits finis. On en a sans doute de toute façon moins besoin, hein, bon. Mais du fil de lin, il nous faut en quantité respectable, évidemment. On a besoin de ça pour faire le reste. Donc je vais faire également un peu moins de tissu. On va mettre le max sur le fil de lin. 25% de l'activité sera faire du fil de lin. Voilà. Est-ce que je vois autre chose? Pour l'instant, non, mais vous me direz si... Bon, on essaiera de diversifier plus tard. Hein. Là, on essaie déjà de mettre en place des automatisations, des choses automatiques. Ça peut déjà être pas mal d'y arriver. Oui, il est de mauvaise humeur. Ah, c'est parce que je pense que son bâtiment ne fonctionnait pas tellement bien. Également, il faut qu'on améliore leur maison et tout ça. Donc, il y a du boulot. Il y a du boulot dans tous les sens, en fait. Hein, donc, ouais. Eliot, bienvenue, Egal également, et Pépito, et Oz, et Skarn, bienvenue à vous. Alors, on va également aller voir les champs. Je voulais juste vous montrer que le champ, en fait, les carottes, ça prend deux saisons apparemment à pousser, donc c'est normal si elles ne sont pas terminées. On va essayer d'automatiser les champs, parce que c'est pas un truc qui m'amuse des masses, de le faire à la main. Donc, on va changer l'affectation de notre fermière. Tout un programme. Alice. Alice, qui est à la grange, on va gérer son affectation, on va la remettre à la grange. Ah zut, je peux pas. Alors on va la mettre dans l'atelier, voilà, et puis on va la remettre dans la grange, mais on va la changer de poste. Je sais pas comment faire autrement. Pourquoi il n'y a plus le son de la... Pourquoi il n'y a plus la musique? Je vais essayer de la remettre. C'est pas normal. Donc on va la mettre en fermière. Ok. Je pense qu'il n'y a rien besoin de faire d'autre.
Allez, on va aller voir les paramètres parce que ça me... Eh ben, c'est normal, hein. C'est juste qu'elle doit, elle doit repartir, elle doit redémarrer, je ne sais pas pourquoi elle s'est arrêtée. Peut-être c'est un bug quand j'ai fait... on verra si ça revient en pas, sinon on peut se débrouiller ça un petit peu. Mais elles sont belles les musiques quand même. Hein. Donc ce qui me manque ici, c'est des outils pour qu'elles puissent travailler. Et dans la grange, les outils, vous voyez, il n'y a pas d'outils. Ou, sac, faucille, faux. Bon, je vais essayer d'aller en faire quelques-unes. Quelques ou, quelques sacs, quelques faucilles et faux. Comme ça, on est un peu tranquille. Je me dis, ça peut être pas mal. Alors, il me semble que dans la forge, on peut faire ça. Outils. Alors, on va commencer par des outils en pierre, non ? Ou en pierre, voilà. On va en faire, disons, deux. Peut-être deux pour commencer. Mathieu, merci. J'aime aussi beaucoup voir le village grandir. Hein. Franchement, c'est un vrai plaisir ce jeu. Je m'attendais pas. Je m'attendais pas à accrocher autant, en fait. Mais c'est bien plaisant. Alors, on a également les faucilles ici en pierre. Je pourrais peut-être la débloquer, non ? Ah zut, ça coûte 100. J'ai toujours pas été vendre les choses en ville. Alors, je vais donner ma faucille en bronze. Ça lui durera déjà un petit moment, je pense. Et puis, il reste les sacs. Bon, sac, on doit pouvoir faire ça chez le tailleur, d'ailleurs. Je crois d'ailleurs que je l'avais demandé d'en faire, hein, mais j'imagine que c'est pas encore fait. Vu qu'on vient de commander le fil de lin. Ouais. Couture, sac à dos et sacoche. Non, les sacs, c'est pas là. Je crois que je peux faire les sacs moi-même dans mon inventaire. Hein. Artisanat, voilà, sac ordinaire, il faut 3 cuirs, d'accord. On doit avoir ça dans le dans l'inventaire général. On va aller voir. Darktoon, salut. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Ah zut, on n'a pas de cuir. Est-ce que je n'avais pas dans l'inventaire du tailleur finalement ? On en a un petit peu, mais je crois qu'on en a pas assez. Comment est-ce qu'on va faire du coup si je sais pas faire de sac? Au 3 cuirs. Si je chasse, j'ai du cuir directement ou pas? Je sais plus. On pourrait peut-être aller faire une petite session de chasse. As-tu des brigands dans ta partie? Je les ai pas enlevés, donc j'imagine que je vais en avoir. ZN0523, j'imagine. Qu'est-ce que je pense de mon multiplicateur de compétences 300%? Bon, je suis content, je peux... Ça change pas... Ce qui freine plutôt dans le jeu, c'est l'avancement des bâtiments, j'ai l'impression. Bon. Alors, autre chose, les filtres. On m'en a parlé dans les commentaires YouTube. Je vais pouvoir facilement retrouver les endroits où je trouvais les animaux que je veux chasser. Donc on a l'ours, mais ça je vais garder pour plus tard. Je pense qu'on pourrait tenter le bison. Je sens que je vais le regretter, mais on pourrait tenter le bison. Maintenant, si on veut simplement du cuir, on va chasser l'élan ici, on trouve des animaux ici, on se prend du cuir assez vite, quoi. Je pense qu'on va plutôt faire ça. Pour le moment, je voudrais pouvoir avancer un peu. Ouais, j'ai vendu plein de choses. Mais oui, mais j'essaie de vendre des choses aussi pour me faire de l'argent et débloquer des modèles, des plans. Oh mais j'ai cru que c'était un ours tellement il est gras ce porc. Il est énorme. On va s'approcher. Comment va Rassimir? Je pense qu'il va bien. Il se dit qu'il va peut-être lancer un enfant. C'est-à-dire pas littéralement mais le faire quoi. Eline, bonsoir. Alors où est-il? Il est là. Bon, le headshot, ça va être compliqué parce qu'il me tourne le dos. Voilà, parce que je vais le poursuivre. Voilà. Je vais juste faire un petit sac, donc je récupère encore un cuir et on est bon. J'ai très soif aussi. Ouh, j'ai grand soif. Qu'est-ce que j'ai ? Trois cuirs, de la viande, ok, c'est bon. On va se faire un petit...
Faut pas que j'oublie qu'on a beaucoup plus de population et donc en termes de nourriture, on risque de pas être suffisant. Hein, donc, faut que je fasse très très attention. Ah, la musique a redémarré. Vous entendez ? Elles sont belles les musiques, je trouve. Hein. Elles mettent bien dans l'ambiance. J'ai très très soif. Oh, grande nouvelle également, on peut placer les bâtiments niveau 2 au-dessus des bâtiments niveau 1. C'est super nouvelle, ça. Ouais, tu veux bien bouger, s'il te plaît, Iwona ? Je sais que tu n'aimes pas te déranger quand tu officies, mais là, c'est important. Les outils, on va les mettre dans le stockage général. Je pense que c'est le mieux. C'est une bonne habitude à prendre. Faucille en bronze. Bon, j'aime pas trop l'enlever, mais bon, on en trouvera d'autres et au moins, ça lui fera... pour longtemps, voilà. Alors, j'ai une faucille, une houe en bois, je vais lui mettre également les houes en pierre. On est tranquille, je lui mets... Ah, mais j'avais un sac également, moi. Comme ça, je le garde, peut-être il est plus 40%. Oui, on va le garder. Non, je vais lui mettre. Voilà, là, elle devrait pouvoir bosser. Peut-être pas tout de suite, parce qu'il faut qu'elle se rende compte que les outils sont là, mais elle va bosser. Ah, on me dit que le cuir se met dans l'entrepôt de nourriture. Ça, c'est étrange. Donc, si ça se trouve, j'en avais. Issu des produits de la chasse. Ouah. Bizarre. Je vais prendre un peu de viande séchée pour moi. Remettre de la viande pas séchée, tiens, comme ça. Bon, on a une chef, hein, une cuisinière, donc elle va s'en occuper. Ok, donc ça c'était déjà pas mal. Maintenant on va gérer les champs, c'est-à-dire qu'on va essayer de... Alors déjà comme elle est au champ, oh bah elle est partie travailler dis donc. Ah bah... Non mais il va pas trop loin, il est ici le champ. Oh peut-être qu'elle est partie soulager une envie pressante, je ne sais pas. On n'a pas de latrine hein, dans le village, ce qui est un petit peu bizarre mais... Ah bon, en plus, c'est pas elle, elle est là, Alice, donc elle attend toujours. Ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est mettre de l'engrais. Je crois qu'il faut que je le fasse, là, parce que en fait, j'avais acheté du fumier au village, pas de l'engrais. C'est parti. Ouais, c'est bien dans le général avec les rondins en cuir. En règle générale, tout ce qui se consomme pas pour être mangé se met pas dans le stockage général. Je vais lui mettre l'engrais ici, ça devrait fonctionner. Je lui mets tout. Hein. Voilà, logiquement, elle a de quoi faire. Alors, j'ai de la farine aussi. Bon, faudra. On va lancer les choses hein, au fur et à mesure. On peut pas tout faire en même temps. Oh, elle est plus là, tiens. Ok, alors gérer. Le champ. Donc, on a la vue ici. On va. Je vais pas replanter de carottes là pour l'instant. Je vais attendre qu'on ait tout enlevé pour remettre tout d'un coup. Par contre, on a récolté tout le lin. On va en mettre plus, hein, progressivement, on va mettre plus de choses. Bon, je vais mettre une deuxième rangée. On va pas être trop ambitieux au début, ça sert à rien, on lance les choses. Et vous me dites ce que vous en pensez. Je sais que j'ai du chou à planter, donc je peux en mettre. Enfin, je sais. On va regarder un petit peu les graines qu'on a, on va mettre deux. Je crois que j'aurais peut-être même pas assez d'engrais pour tout ça, donc on va... Oh, il l'a fait ou pas ? Oh non, il l'a pas fait. J'ai pas sauvé. C'est ma faute. Lin. Hop. Chou. Hop. Hop. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il me demande pas de sauver ? Accepter. Là, c'est bon. Ok. Donc, ce que je voulais voir... C'est les graines, parce que je pense qu'elles sont dans mon stockage, à moi. J'en suis pas sûr, hein. Peut-être pas. Betterave. C'est pas là, c'est peut-être plutôt ici. Non, j'avais dû les mettre dans le stockage, je pense que c'est bon. Je crois que c'est bon. Ok.
Le linge est mis, oui, tu as loupé le début, papy 2A, mais c'est pas grave. J'ai commandé ça, oui, tout à fait. On va aller dans le stockage général, ramasser les ressources de construction et de craft. Et puis on va voir ce qu'on va faire ensemble. Réfléchissez peut-être de votre côté. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Je vais commencer à regarder un peu comme ça. Ok, c'est ce que j'ai mis. Il commence à récolter de l'argile, très bien. Je vais le laisser là parce que pour l'instant, moi, j'en fais rien. On a encore assez de bois de chauffage, c'est bien. Les bâtons, je les prends pour moi. La paille, je la prends pour moi pour construire. Les pierres, je les prends. Plan, je les prends. Les rondins, évidemment, je les prends. 12, c'est pas mal. Ok. Alors, on va regarder un petit peu les types de construction. Il y a un truc que j'ai pas fait et que je pense que je devrais faire assez vite. En termes de production de base, c'est tout ce qui est extraction, en fait. J'ai pas fait l'atelier de l'herboriste. Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous pensez que ça va être bien? Ça va peut-être me récolter des trucs que, voilà, comme ça je devrais pas les ramasser et ça me servira pour d'autres productions. La potence, dit Michel. Mais enfin, Michel, quelle violence! Tout est beau dans notre village, hein. Il n'y a pas de méchanceté ici. Il n'y a pas de crime, ça n'existe pas. Végito, je vais bien, merci. Je planterai pour la cuisine pour vendre. Il est mieux de faire plusieurs petits champs et de faire un champ égale une rotation de culture. Ouais, bah c'est ce que j'ai fait. Enfin, là, j'ai fait là. Je fais plusieurs rangées, mais je pense que c'est bon. J'ai tous les légumes sur moi. Oui, mais c'est les graines qu'il faut mettre dans l'entrepôt pour qu'elles puissent les semer. Mais je devrais les mettre à la cuisine, effectivement. On va faire l'herboriste. De toute façon, il faudra bien que je le fasse un jour. Hein. On est bien d'accord. Alors, où ? Moi, j'avais commencé à faire une nouvelle route ici un peu vers la gauche. Je me dis pourquoi pas mettre l'herboriste ici quelque part, quoi. Pourquoi pas ? Hop, chasse, extraction, herboriste, voilà. On me dit, on peut mettre ça à côté ici, c'est pas... Bah, c'est rien de spécial. On va continuer un peu le chemin. Oh, j'ai mis l'herboriste beaucoup trop devant ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, non, je me suis loupé là. Réparer, construire, enlever l'isolation, détruire, voilà. Pas grave. On prend le temps. C'est nouveau cette vue de la route, il n'y avait pas ça avant. C'est parce que je suis en mode construction ou quoi? Très bizarre. Alors, extraction herboriste. Voilà, on va la mettre plutôt ici. C'est un bug visuel ou quoi que j'ai là? Ah non, c'est parce que je suis en mode destruction, attendez. Construction, voilà, ok. C'est parti! Ah bah oui, Amazis, tu as vu, hein, on peut faire ligne par ligne. Hein. De toute façon, je l'ai fait, donc je savais qu'on pouvait le faire. Je voyais pas bien ce que tu voulais dire, en fait. J'ai pas encore lancé d'élevage, d'ailleurs, on va en parler. C'est une bonne idée de m'en parler, Franklin, parce que pour automatiser mes champs, si je veux que ça se poursuive, sans que je doive tout le temps aller au village acheter du fumier, il faut que je produise du fumier. Alors mon fumier personnel est quand même relativement limité en quantité, je peux en produire un petit peu personnellement moi-même. Mais bon, malgré que je sois de belle stature, ça ne fera pas assez. Donc il nous faut un élevage qui produise du fumier. Je me suis enfermé. On m'a dit que peut-être les porcs seraient une bonne idée. Maintenant, je pense que financièrement, je suis pas assez solide pour acheter des porcs, des animaux, ça coûte très cher dans le jeu. On peut faire une palissade en bois, oui. D'Envius.
Ok, j'ai plus de trucs. Hop. On va aller dans la forêt. Je vais faire une petite chasse ou l'autre. Comme ça, ils travaillent pendant ce temps-là. On va les chasser. On va aller chasser un bison. Ouais. Je vais regarder un petit peu si c'est loin ou pas. Et peut-être demain, parce que là, la journée est déjà bien avancée. Qu'est-ce que je cherche ? Je sais plus. Et mon arc ? Pourquoi mon arc, il est plus là ? Ah zut, il y a un... Il a cassé ou il était... Ou alors je l'ai jeté sans le faire exprès. Ah non. J'ai fait une bêtise. Ah. Soit j'ai fait une bêtise, soit il y a un gros problème avec... J'ai un problème avec mon arc. Après, maintenant, je devrais pouvoir en refaire, hein. On va regarder, parce que de toute façon, là, je l'ai perdu. Peut-être il était cassé, hein, ça faisait un moment qu'il était abîmé. Ah non, je l'ai mis là-dedans. Autant pour moi. Autant pour moi, c'est pas grave. Ok. Donc là, on est en termes de journée, à la moitié de la journée, je pense. Je préfère partir au matin pour chasser, surtout que c'est loin, je pense, les bisons. Donc on va aller couper un peu dans la forêt, terminer l'herboriste tranquillement. Hop. Allez, les érables, c'est ce qui donne le plus. Je pense. Ah, la petite musique. Lilira, hello, bienvenue. Il faudra quelqu'un pour s'occuper de l'herboristerie, évidemment, pour ramasser. Bon, j'en veux dire, pourquoi pas, on pourra avoir une personne en plus. Est-ce que c'est risqué, vous pensez, de prendre une personne en plus au niveau... Rentrée de bois de chauffage au niveau production de nourriture. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux pas ? Il vaut mieux attendre ? Ouais, je dois faire un enfant aussi, oui. Le vol d'animaux serait envisageable ? Je sais pas trop, j'ai pas envie d'être un malandrin. J'ai été accueilli par tous ces gens de cette belle vallée et... Ils m'ont donné un territoire où m'installer. Est-ce que je vais vraiment les voler? Je pense pas. Ce serait malvenu. Bon, je pense qu'on a assez de trucs. Je vais revenir. Pour les animaux, dit Knonam, faut surtout penser à faire une réserve de nourriture. D'où ça vient des champs, oui. Ah bah c'est déjà terminé, ok. Un petit atelier d'herboriste. Superbe ça. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a le coffre, on a la table, qu'est-ce qu'on peut fabriquer? Des potions d'amélioration, bon ça m'intéresse moyennement, mais... Peut-être pour des quêtes ou pour tuer des ennemis plus durs comme les ours, ça peut être utile. Autre potion, poison, potion... Oh, poison. Ok. Potion de vision nocturne, de camouflage, de possibilité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est bizarre. Munitions empoisonnées, des flèches empoisonnées, bon, pourquoi pas. Il y a tellement de choses. Et des potions de soins, d'accord. Ça peut quand même être utile, mais bon, pour l'instant... Ouais, c'est pas le plus intéressant... Qu'est-ce qu'on peut produire ici? Si c'est pas intéressant, on met personne pour le moment, hein, c'est pas grave. Bon, déjà, il n'y a pas d'outils.
B et 1000. Alors les B pour la nourriture, ça peut être utilisé. Plantain, marguerite, chicorée, pissenlit. Mori, donc les champignons pour faire à manger, j'imagine aussi. C'est pas vraiment le plus urgent pour moi, je dirais, de mettre quelqu'un ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ne me freine pas, quoi. On sait que c'est là, mais je pense que pour le moment, on va pas... Je vais déjà régler un peu les récoltes. Les herbes médicinales, ça peut être pas mal. Faut que je vois pour le craft dont on va avoir besoin, en fait. Faut pas que j'aille trop... Bon, les bolets, je sais que ça se mange. Beaucoup de choses à faire. Hein. C'est pas d'une personne dont tu as besoin, c'est de plusieurs. Oui, oui, bien sûr. Lactaire délicieux, vu le nom, ça a l'air bon. On réglera quand on mettra quelqu'un, mais j'aime quand même bien toujours avoir une idée de ce que je peux faire. De la belladone, ça c'est pour faire des trucs empoisonnés, ça pourrait être pas mal. Pour faire des munitions empoisonnées, pour tuer des ours, ça pourrait être bien. Je ne sais pas. Peut-être avoir un petit stock de plusieurs plantes, ça pourrait être pas mal en fait. D'avoir le choix, quoi. Je réglerai encore un peu plus tard quand on mettra quelqu'un. Au moins on voit ce qu'il en est et on voit que c'est pas, j'ai pas l'impression que ce soit du tout indispensable pour le moment. Pas grave. Ok. Bon, est-ce que je peux faire des couteaux, aller les vendre et aller m'acheter des trucs dans la ville? Ça pourrait être pas mal. Je peux m'en faire combien ici des couteaux? Je peux m'en faire 9. Pas énorme. Ok. Ça m'a coûté quand même 18 pierres et 45 bâtons. Hein. Mais en marchant jusqu'à la ville, on va peut-être en récupérer encore. Donc là, c'est encore le milieu de journée. Je pense que j'ai le temps de faire un aller-retour jusqu'à la ville, voir un petit peu l'argent que je peux me faire. On va ramasser des bâtons et des pierres en route. Il paraît que si on prend une arme à deux mains aussi, il n'y a pas d'animation de ramassage et on peut éventuellement aller un peu plus vite pour ramasser. Bon, je ne sais pas trop si c'est vrai. Ça peut être un truc intéressant. Ça peut être bien l'herboriste pour la nourriture. Pour faire des plats un peu plus avancés, oui. Maintenant, pour la survie pure, la viande et le poisson séchés et grillés, c'est bon. Alors, c'est sûr que les gens vont être plus heureux avec une diversité de nourriture et de la nourriture un peu plus avancée. On va y venir, mais pour l'instant, ce que je veux accélérer, c'est la production de ressources de construction. Des trucs qui me font avancer un peu plus, quoi. Donc c'est pas... L'herboriste, j'ai pas l'impression que pour l'instant ce soit vraiment méga important. Il y a des champignons qui empoisonnent, oui, tout à fait. On va essayer d'être attentif. Normalement, j'ai des mecs qui me ramassent des pierres. Faut que je regarde si j'ai bien mis quelqu'un. Heureusement qu'on peut faire la gestion à distance, hein, ça c'est quand même bien. L'excavation, j'ai une personne sur deux max, on pourrait même en mettre deux. J'ai pas l'impression que c'est méga important pour l'instant. Et... Ouais, j'ai mis un quart du temps pour la pierre, hein, ça me paraît quand même bien. C'est bon. Effectivement, miser sur l'extraction des ressources de base, c'est le plus important au début. Donc les champs et puis toute l'extraction du bois, de la pierre. Du fer également bientôt quand je pourrais faire les mines. J'ai pas encore trouvé des grottes, mais je me dis qu'on va en trouver quand on cherchera les ours. Ok, je vais manger. Il n'y aura pas de fumier avec les poules. Non, non, on a décidé qu'on essaierait les cochons. Parce que là, c'est sûr que ça marche. Enfin, en tout cas, j'ai lu que ça marchait. Maintenant, on a débloqué le poulailler et pas la porcherie. Donc, je peux essayer de faire entrer un cochon dans un poulailler, mais
Bon, il risque d'y avoir des dégâts assez rapidement. Hein. Bon. On va refaire ce qu'on peut de couteau. Alors j'aimerais bien également racheter des nouvelles, des nouveaux plans pour mon verger. Bon, c'est pas le plus urgent, mais... Ah, atelier 2. Ah, ce serait pas mal, ça, tiens. J'ai mis personne à l'atelier, tiens, aussi. On va regarder qui est là. Alors moi, je veux plus que des hommes, maintenant, parce que j'ai pris que des femmes. Et c'est un peu embêtant, parce qu'on peut pas les mettre ensemble dans les mêmes maisons. Donc voilà, y a que des femmes, je vais pas regarder. Ok, de Broniega, on va aller voir, je me rappelle plus ce qu'elle vend. How is life treating you? Best goods in the valley. De toute façon, on va lui vendre. Je peux commencer à vendre les produits de ma ferme aussi, hein, les choux, on va pas bouffer tout ça, hein. Je peux en vendre un petit peu. Ça vaut pas grand chose, hein, mais je peux en vendre un peu. Des plans, j'en ai plein aussi. Pour l'instant, j'en fais pas grand chose. Les flèches en pierre, j'en ai pas mal aussi, mais on va les garder peut-être pour le moment. Je vais en vendre un petit peu, allez, j'en referai. Voilà, les couteaux que j'ai faits, ils sont là. Ça vaut pas mal, hein. Grillé. Ok, alors j'avais une quête. Il me manquait... Ah non, on avait livré les légumes. Tiens, il me semblait que j'avais... Attendez. Non. Juste que c'était plus mis en quête principale, mais... Il manque deux betteraves et un oignon. Et puis les carottes, évidemment, aussi, ouais. How are you? Whatever you need, I've got it. Deux betteraves, un oignon. On irait bien faire la fin de cette... Quand on fera la récolte des choux, on devrait en avoir assez pour terminer. Best goods in the valley. Qu'est-ce qu'elle vend d'autre qui pourrait m'être utile? Non, rien. Goodbye. Ok. Pour l'herboriste, pourquoi pas mettre une personne pour récolter certaines plantes qui pourraient te permettre de créer des décorations qui se vendraient assez cher en ville? Oh là là. Je ne sais pas. On a le fermier là, ça peut m'intéresser. Only the best products here. Mm-hmm. Aussi, oui, mais ça, on va pouvoir débloquer le modèle maintenant, enfin le plan. J'ai l'argent. Racheter du fumier, ce serait toujours utile. Hein. Parce que je peux pas en produire, il faut que j'en rachète régulièrement de ça. 40. Il vend toutes sortes de graines. Je vais pas en racheter pour le moment. Ou on peut en faire. Ah voilà, des jeunes plants ici. Ça coûte cher par contre. Ouais, non, on va pas acheter le verger, on l'augmentera de taille plus tard. C'est pas très important. Même si un bon petit cidre, les amis, ça pourrait être pas mal. Hein. Ouais. Sac. Ok, je pense pas que ce soit très très utile tout ça. C'était le fumier qui m'intéressait le plus. On va aller voir un peu le prix des animaux, les animaux qu'il y a ici. Et si vous me dites que les poules vont pas me produire de fumier, alors ça m'intéresse vraiment pas trop, quoi. Je sais pas s'il y a des porcs dans ce coin. C'est quoi ça? Oh, c'est des oies. Ah mais... Elles sont bien sages quand elles dorment. Alors là, on avait vu, c'est des vaches, je pense. Ouais. Hop, je saute. Pas sûr qu'il y ait autre chose en fait ici. Hein. C'est relativement petit, hein, comme village. Il y a encore des oies et donc ça ici. Il faudra aller ailleurs pour acheter des cochons. C'est-à-dire qu'on n'aura pas encore assez d'argent. Hein. Bon, je vais rentrer. Je vais regarder un peu les quêtes qu'on peut peut-être faire.
Sans bord, il faut parler à Norbert. Je sais pas où il est. Je crois que c'est pas ici. Hein. On va regarder sur la carte. Donc on a principal, personne, quête, voilà. Ah. Ouais, mais ça, c'est pas les quêtes principales, ça. Je pense pas. Technologie, qu'est-ce qu'on a débloqué? Oui, on a débloqué le... l'atelier 2, bon. Tu penses que c'est 2000 par bête, Chacha, pour le, les ports? C'est beaucoup, hein. C'est vraiment beaucoup. Donc on a demandé à quelqu'un de nous ramener de... Maintenant, on a quelqu'un qui ramasse de la paille, mais je crois que c'est vraiment long. Donc dans le doute, je vais quand même me refaire un petit stock pour faire des choses en plus. Mais bonne soirée, Pixela. Est-ce que je peux apprivoiser un sanglier? Non, je ne pense pas. Demande aux habitants pour la grotte et les cochons. Demander aux habitants, tu penses qu'on peut faire ça? Pour la grotte? Pour être rigolo. Bon, je crois que c'est bon pour faire un bâtiment ou l'autre. En tout cas, au moins... J'aime bien arriver à 100, en fait, pour la paille. C'est assez pour, a priori, à peu près 2 bâtiments. Peut-être même plus. Voilà, la nuit tombe, hein. Hop. La taxe annuelle, on est en été pour le moment, donc on a encore un peu le temps de voir, mais effectivement, il faudra garder assez d'argent. Excusez-moi, Bathilda. On va parler à Bathilda, c'est plus simple. Où puis-je trouver... Non, on peut pas demander ce genre de choses. Hein. Par contre, animaux de la ferme, cochon, ça on peut demander, tiens. J'ai pas la porcherie, hein, donc on va peut-être devoir commencer par les poulets quand même pour augmenter notre technologie, notre niveau, vous voyez. Rolnica et Boro. Ok. Alors, Boro, c'est juste au-dessus. Rolnica, c'est là-bas. Donc, on sait qu'on pourrait l'acheter des poulets là-bas. Mais pour l'instant, on va juste rentrer. Ouais, le jeu est beau, franchement. Sans être exceptionnel, hein, non plus, mais... Il n'y a vraiment rien à lui reprocher au niveau graphique. Il est sympa. Pendant qu'on fait le trajet, je pense qu'on devrait faire un petit conciliabule ensemble, les amis, pour décider de ce qu'on va faire demain. Parce que là, je vais rentrer, je vous avoue que je vais aller dormir. Je suis fatigué. On a construit quand même toute une cabane d'herboriste en une journée, tout ça pour ne mettre personne dedans. Je suis un peu démoralisé. Beaucoup de travail pour ne pas finalement avoir beaucoup de retour, hein, dans l'investissement. Heureusement que Alice a l'air... Est-ce qu'Alice se débrouille au champ, finalement? Est-ce qu'elle a été travaillée? On ne suis même pas sûr. Il faut qu'on aille vérifier tout ça. Et demain, on part à la chasse. Chasse au bison et on essaie de trouver l'entrée d'une grotte peut-être pour notre prochaine mine. Ah, je peux demander où trouver des animaux sauvages, d'accord. Oui, non, c'est pas grave, Kevin, mais regarde l'icône jaune avec une pomme. Ça indique... ou alors je dis une bêtise, non, c'est l'été. Alors, la température, il fait 25 degrés alors qu'on est à 22h30, donc bon. A priori, on est en été. Et si on allait visiter les villages au sud? Ça pourrait être une idée, d'autant plus que ça nous permettrait de trouver une grotte, peut-être, et de la marquer. Alors, pourquoi pas? On pourrait aller vendre quelques petits produits qu'on a fait. Ok. Alors je vais tout de suite, avant d'oublier, je peux encore faire ça aujourd'hui, transformer voilà, transformer l'engrais, le fumier en engrais.
Je vais le mettre dans le stockage. Ok, 38. 38, est-ce qu'elle en a utilisé? Est-ce qu'elle a fait quelque chose? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'elle a rien fait. Hein. Alice. État. Bon, elle manque pas d'outils, mais alors pourquoi est-ce que c'est en rouge là par contre? Je sais pas. Je sais pas ce que c'est ça. Je vais dormir. La nuit porte conseil. Des activités suspectes dans ce village. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas lui? Bon allez, hop. Peut-être me laver un petit coup. Est-ce qu'on peut capturer les animaux pour les domestiquer, les animaux sauvages? C'est une bonne question, Shkaro. Je pense pas parce que j'ai pas vu des animaux d'élevage dans la nature, si tu veux. Y a pas de cochon, y a pas de poulet. C'est pas les mêmes animaux, tu vois, donc. How are you? Comment se porte ma magnifique épouse? Je pensais justement à toi. Ah oui, pourquoi donc? Eh bien, ça fait longtemps que nous n'avions plus passé de soirée spéciale, rien que nous deux. Pas un mot de plus! Je suis libre, là tout de suite. Ne t'emballe pas, mon amoureux. J'ai pris quelques petites dispositions pour créer la bonne ambiance. Une bouteille de bon vin que j'ai commandée devrait être prête et être récupérée à Gostovia. Oh, oh non, elle me donne des quêtes FedEx aussi, c'est ma femme. C'est terrible. Aurais-tu l'amabilité d'aller la chercher? Le paiement est déjà réglé. Ah, j'y vais de suite. Bah non, je vais demain. De suite, mais peut-être demain. Ok, d'accord, je comprends. Un tour au paradis, mais c'est le paradis n'est pas gratuit, quoi. Hein, même avec sa propre femme, d'accord. Très bien. Ok. Alors. Bien. Je peux boire un petit coup d'eau avant de partir, même si j'ai pas très soif. Comme ça, on est au max. Je vais aller voir un petit peu ce qui a été produit ici. Ok, donc le sac est là. Je crois que j'avais mis deux sacs, hein, donc j'ai l'impression qu'elle s'est équipée, ça c'est clair. Oh, la paille produite, c'est misérable. Hein. L'extraction, là, elle produit pas des masses. Hein. Il faudra faire avec. Ah, un petit peu de tissu. Ouais, ça produit pas beaucoup. Hein. Ah punaise, faudra faire quand même beaucoup encore à la main, j'ai l'impression. Hein. Parce que là... Bah, le tissu, je devrais le laisser, en fait. En tant que tel, je vais rien faire avec. Ils vont s'en servir pour faire les vêtements et tout, donc faut que je le laisse. Ouais, j'ai tendance à tout prendre. C'est pas bien. Je devrais laisser ce dont j'ai pas besoin. Ok. Bon. Gostovia, elle a dit. Est-ce que c'est sur mon chemin? Bon, on va regarder. Ah, Gostovia, c'est chez Unighost. Ah, deux. Nio, salut. Sébastien, salut. Vu que les ours vivent dans des grottes, y aurait-il pas des mines ou des grottes dans le même secteur que les ours? Ah, si, si, bah, c'est ça le truc, en fait. Hein. Pour débloquer une mine, tu dois tuer l'ours qui est dans la grotte, je pense. Après, est-ce que j'ai déjà seulement vu un endroit où il y avait des ours? Je pense pas. On n'est pas encore tombé dessus. Donc en allant trouver peut-être... On va commencer par le bison, je pense. Voilà. On va commencer par le bison. Il y en a près de la grotte de Sambor. Est-ce que je dois aller le revoir ou pas? Parler à Norbert d'abord. Parler à Sambor, mais il me faut 20 carottes. J'irai plus tard alors par là. On pourrait chercher l'ours d'abord, mais j'ai peur de me faire dégommer. Hein. Je me dis que là, quelque part, il doit bien avoir une grotte. Hein. On va chercher un peu. Sur ce chemin-là. Bon, ma vie est au max. J'ai quelques potions, je pense. Donc, on va tenter le coup. Hein. Je vais sauver.
Voilà, donc là, on va récupérer... Je vais suivre le ruisseau. On va essayer de monter le long de la... J'ai jamais fait ça, on va monter en haut de la cascade, tiens. Amonji, bonsoir, comment tu vas? On n'est pas bien, là, quand même. C'est le matin, on a toute la journée devant nous. Hein. On s'est levé tôt, la journée nous appartient. On va pouvoir faire beaucoup de choses. Site de chasse découvert, loup. D'accord, ça ne m'intéresse pas spécialement. Pas très cool pour l'image de marque des loups qui n'attaquent pas les gens comme ça, normalement, mais bon. D'autant plus dommage que, bon, comme ils reviennent en Europe, ça leur fait pas spécialement une bonne image, mais bon. Oh, bah, il y a du bison, là! Oh, punaise. Oh, le bestiau! On va essayer de tenter un headshot de loin, comme ça, on est tranquille. Je l'ai touché, mais il n'est point mort. Mon dieu. Oh punaise. Allez, loup, attaque! Oh mon dieu. On fait attaquer par le loup en même temps, c'est de la triche, j'ai envie de dire. Je crois que je l'ai tué. Ah non, les deux loups là! C'est abusé! Oh, quel homme! Voilà, oh là, ça va me faire beaucoup de ressources, hein. On va retourner après au village. Je risque quand même de mourir à la moindre attaque, donc c'est un peu stressant, mais... Sauvé. On l'a eu. Bon, ça promet pour l'ours, hein. L'ours est beaucoup plus dangereux encore qu'un bison. Enfin, bon... Ça dépend des situations, j'imagine, mais là, en tout cas... Il va me donner un max de viande, évidemment, lui. Hein. Viande, 7 cuir, c'est pas mal. On va rentrer, vous savez pourquoi? Parce que pour récupérer de la vie, il faut que je dorme en ayant l'estomac plein, je pense. Donc, du coup, là, c'est... je veux dire, il faut attendre demain. Donc, c'est pas grave, on va travailler à des choses dans le village. On a avancé. Aïe! On a avancé, je vais couper un peu de bois, tiens. Scène activité. Oui, c'est vrai qu'il y a des potions de soins. C'est vrai que je pourrais faire ça aussi. Je vais regarder si j'en ai une. Ce serait le fun qu'il y ait un rondin qui me tombe sur la tronche, évidemment. Alors... ça va être dans quoi? Nourriture? Ce qu'il y a, c'est que je préférais la garder, quoi. Ça restaure instantanément de la vie contre le l'ours. J'en aurais peut-être vraiment besoin, quoi. 20 points, c'est rien, quoi. Je vais quand même les prendre, celle-là, parce que j'ai pas envie de mourir. On ira demain, on retournera demain chasser. C'est pas urgent. De toute façon, faut bien se dire que la mine, je peux pas la faire pour le moment. J'ai pas le niveau technologique, je pense. Faudra débloquer le bâtiment aussi, donc bon. Relax. On est bien. Tiens, un feu de camp. Est-ce que je l'avais déjà trouvé, lui? Ouais, a priori, oui. Bon, est-ce qu'elle bosse, là? Ça, c'est important. Oh oui, regarde, elle est là. Alice! Tu as mis du fumier? Tu as mis de l'engrais, bravo. Tu as planté les choux, aussi? Ah non, le champ n'est pas labouré. Peut-être s'y mettre, hein. Elle a bossé. J'espère qu'avec ça, j'aurai assez de carottes pour avoir mes 20, mais à mon avis, oui. Je pense. Alors du coup, est-ce qu'on n'irait pas faire un petit tour à Venica? C'est pas tellement loin, il y aura peut-être des hommes vigoureux qui voudront nous rejoindre. Je me dis, ça pourrait être bien. Il y a également le fait que je dois parler à Norbert, mais je sais pas où il est.
Il est où? Il est à 618 mètres au nord-nord-est. Il est à Baranica. Pouah. Je sais plus pourquoi je lui parlais en fait aussi, donc ça j'ai un peu oublié. Ah oui, c'est pour Sambor, c'est pour qu'il puisse vendre ses statuettes. Ok. On va y aller. C'est ça, doucement le matin, pas trop vite l'après-midi, exactement. On va nager directement parce qu'on peut le faire, c'est pas gênant. Tu peux miner toi-même, oui, tu peux miner toi-même, oui. Voilà, après, là, j'ai pas eu besoin de minerai, de fer ou quoi que ce soit pour mes constructions. Je n'ai pas manqué, donc je veux dire, j'ai pas encore le besoin vraiment d'avoir cette mine ou d'y aller extraire moi-même. Bitter Spike, salut, c'est bien gentil. N'oublie pas le vin à Gostovia d'Hervé, oui, c'est vrai. Gaffe à la durabilité de tâche, car après, plus rien de bien pour le caracor. Oui, d'accord, mais je ne peux pas la réparer, si. Elle va bientôt péter. Par contre, là, c'est vrai que du coup, ça aurait le coup d'aller prendre du minerai de fer, mais après, je dois le fondre, et puis je dois faire une nouvelle hache de fer. Bah, écoutez, il faudra bien le faire, de toute façon, hein, donc... C'est prévu, hein, c'est prévu que demain, on aille chasser l'ours, donc... On verra ce qu'on va pouvoir faire. Alors si on peut en même temps récolter des bâtons, des pierres, tout ça c'est pour pouvoir faire des couteaux et les vendre en chemin quoi. Alors, je m'arrête pas spécialement pour tout ramasser, hein, c'est juste j'appuie sur la touche quand j'avance. Je vois bien des trucs qui traînent. Nilivier, salut. Tu as une alerte à gauche. Ouais, attends, j'ai pas une alerte, j'ai 24 alertes. Donc on va pas... C'est des alertes de ressources, hein. J'ai mis beaucoup de production dans les bâtiments à faire, mais on n'a pas forcément tout pour tout faire. Pas de panique, ce n'est pas grave. Alors déjà, on a quelques petites personnes en plus ici. On a deux hommes. Dalémir. Alors, il est bon en extraction, en chasse. Ça pourrait être pas mal. Peut-être pour le mettre comme pêcheur. Ouais, c'est pas mal ça. Et là, Zamir, production, chasse. Alors lui, je le fais venir. Bon, je le fais venir. On n'a pas peur. Ok. Je peux me faire 12 couteaux là, c'est pas mal. Heureusement que j'ai pris l'inventaire infini, je regrette absolument pas. J'ai pas de temps à perdre à faire des allers-retours alors que le jeu est déjà quand même assez long. Ça m'intéresse pas spécialement. Je comprends que certains jouent avec, mais moi ça me... Même si j'étais pas en live, je pense que je l'aurais mis infini. Alors, la quête, il est où? Norbert. Je suis là pour l'élixir de puissance cosmique. Vous voulez quoi maintenant? Bah la potion. Fenena m'a dit que vous en aviez parlé tous les deux. Oh, cette potion-là, c'est la première fois que j'entends quelqu'un appeler un breuvage de virilité de cette manière. Attendez, par virilité, vous voulez dire... Bah disons que c'est un coup de pouce pour votre virilité, quoi. Ah, je vois, et pourquoi avez-vous besoin de ça?
Heureusement, la recette est assez simple. Il va me falloir 10 pissenlits, 5 marguerites, 3 chardons et un ingrédient secret. Vous pouvez cuire les herbes vous-même ou m'en acheter. Ah, bon Dieu. Et l'ingrédient secret ? C'est juste ma façon de dire que je vais avoir besoin de fumier. Essayez d'en avoir du frais et de bonne qualité. Ah zut, j'en avais, j'ai tout utilisé. N'achète jamais de fumier de bas de gamme, il ne faut pas pousser. Quand vous m'aurez tout apporté, je vous concocterai la potion, gratuitement. Nous devons nous soutenir les uns les autres dans ce genre de situation. Oui, bien dit. Ah, il faut 10 pissenlits, 5 marguerites, 3 chardons. Ils vont quoi, lui ? Baskets in the valley. En fait, il est malin parce qu'il les vend lui-même, donc je vais devoir lui acheter, quoi. Bon, ça, c'est pas pour ce que ça coûte, hein. Il faut que je me souvienne de ce qu'il veut, hein. Il me faut 9 pissenlits, 3 chardons et du fumier. Hello. Only the best products here. Ok. 9 pissenlits, 3 chardons. Du fumier. Ah, peut-être ça, il n'aura pas. Il faut que je trouve ça chez un. Bon, on reviendra sinon, hein, c'est pas grave, on reviendra une autre fois, mais. Ça, il n'aura pas. On va lui vendre par contre nos couteaux. J'ai l'impression que c'est le même prix partout. J'ai 741 en argent, ça devrait être largement assez pour le paiement. Goodbye. Annuel. Je vais quand même jeter un petit coup d'œil, hein. Je suis curieux. Taxe 225 pour le moment. Ce sera plus à la fin d'année, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Il y a que Norbert qui vend des trucs ? Oh, le nul. Oh, le village de nul. Il n'y aura pas de fumier ici à moins d'en voler, mais j'ai pas envie, donc bon. Par contre, je peux retourner à Gostovia en acheter et revenir après. Je devais passer à Borovo également pour quelque chose, je sais plus quoi. On doit récupérer le vin à Gostovia de toute manière. Bon. Ok, on va aller à Gostovia. Faut pas que j'oublie que j'ai récupéré deux nouvelles personnes. On va les mettre dans des maisons. Je sais pas s'ils sont déjà arrivés, est-ce que je peux les mettre ou pas. Donc on a... Valémir. Oh, mais ils ont changé de nom pendant le trajet, dis donc. Ils s'appelaient pas comme ça avant. Si ? Voilà, il y a quelqu'un avec, on sait pas qui, mais ce sera au petit bonheur de la chance. Hein. Lieu de travail, alors bon. Extraction ou alors chasse, idéalement. Hein, bon. Je me mettrais bien à la cabane de pêche, on devrait pouvoir maintenant faire les harpons pour lui. Voilà. Ah, la pêche c'est survie, zut. Il a 2 en survie, c'est quand même pas si mal. Hein. Ça m'embête un peu du coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a l'atelier. L'herboriste. Mais c'est production ou extraction, hein. Non, extraction ou chasse, pardon. Ah bah je peux mettre un deuxième chasseur. Hein. Ça nous fera de toute façon du poisson ou de la chasse, c'est plus ou moins pareil. On va mettre un deuxième chasseur pour le moment. Hop. C'est bon. Il faut toujours valider. Voilà. Donc Valémir, c'est OK. Zamir, alors lui, c'est chasse aussi, donc non, ou alors production. Donc on va le mettre quelque part pour la production. Alors production, ça va être...
Est-ce que c'est pas les couleurs qui déterminent ce que c'est? Oui, hein. Production, c'est mauve. Bah, il n'y a personne à la forge. On peut peut-être tenter le coup. Je pense que là, il pourra faire les outils en bois et tout ça. Donc, peut-être qu'on pourrait mettre à la forge. On va essayer. Ok. Non, pas ok. Voilà. Ok, alors maintenant. Production. Forge. Outils. Maillet. Bon, ça, j'ai pas fait. Il faudra que je fasse. J'ai pas mis les productions non plus. D'accord. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on peut produire là? Il y a tous les outils en bois, en pierre. Moi, ce qui m'intéresserait peut-être, c'est de les faire en pierre pour le moment. On peut faire les harpons de pêche. Bon, on s'en servira pas pour le moment, mais on recrutera bien quelqu'un qui a survie. Faudra que je recrute quelqu'un qui a survie, voilà. Pierre de G. Couteau. Bon, on va faire des couteaux. Les chasseurs en ont besoin. Les fermiers ont besoin de houe. Les bûcherons ont besoin de hache. On essaie d'automatiser. Hein. Les extracteurs ont besoin de pierre. Harpon, bah, sera pour la pêche. On va déjà commencer à en faire. Il n'y a aucun outil là. Ah oui, j'ai besoin de marteau. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Les lingots sera pour plus tard. Les gourdins, non. Ah, est-ce qu'on sait avoir des gardes dans le jeu ou c'est pour nous? J'ai l'impression que peut-être c'est plutôt pour nous. Et après, c'est cuivre. Ok, donc on va augmenter un peu la production de toute la panoplie des outils en pierre. Voilà, bah c'est pas mal, non? Après, il ne faut pas que j'oublie de faire des maillets. Apparemment, il en aura besoin. Il peut s'autoproduire du maillet, ça va marcher? Ressources manquantes, il a besoin de bâtons, de rondins, mais ça on les produit donc ça va fonctionner après. Pas de problème. Tout, voilà, c'est maillet. Maillet, rondin, pierre. Maillet, pierre, bâton. Alors, on est pas mal pour automatiser, hein. On va avoir tout ce qu'il faut. Hein. Bon, je crois que c'est bon. Il faudra revenir voir après, mais je crois que c'est bon. Ok. Ah, ça fait bien plaisir. Pourquoi ils mettent... Il y a une icône de personne, là, c'est qui ça? Ah, bah c'est ceux que j'ai recrutés, ils sont en train de marcher vers le village, évidemment. Suis-je bête? Merci, hein, Damien Béliard, de m'avoir suggéré d'autoproduire les maillets. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé. Iona, la... oh, au début, j'avais pas trop le chemin, j'avais pas vu les spécificités. On me dit qu'elle est bonne en survie. Survie, on peut classer? On peut classer. Elle est pas mal, elle a pas tellement progressé, c'est vrai qu'elle a pas progressé en extraction. Donc, on pourrait recruter quelqu'un qui est bon en extraction à la place d'elle et la mettre à elle en survie. Mais pour l'instant, on a besoin de l'eau, donc on va la laisser là un petit peu. On va essayer de trouver quelqu'un qui est bon en... qui est bon en extraction. C'est de ça dont on a besoin. Ok. Cool. Bon, maintenant, j'ai beaucoup de monde en plus. Enfin, ouais, il faut quand même qu'ils survivent. Hein. Faut que je fasse gaffe. Je pense qu'au niveau nourriture, il n'y a aucun problème. Après, au niveau eau, c'est vrai qu'elle n'est pas terrible. Donc, il faut vite trouver quelqu'un qui est bon en survie, peut-être pour... en production, en extraction pour prendre l'eau, ce serait quand même mieux. Voilà, on va traverser ici. Ok. Alors, 2 secondes. Hop. C'est bon. Alors, comment est-ce qu'il a progressé le village? Ben, je vais pas y retourner tout de suite, on doit passer à Gostovia. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, les amis, c'est trouver un nom pour le village. Je me dis qu'à un moment donné, il faudra rajouter un panneau, là. On a quasiment le plus gros village de la région, déjà. C'est pas normal qu'on soit pas sur la carte. C'est pas normal du tout.
Demain, on chasse l'ours. Hein. J'espère. J'espère qu'on va pouvoir le faire. Ce sera l'automne. Ce sera très bien. Je pense que demain, on verra Alice récolter les carottes. Il n'y aura plus de plantation, j'imagine, en automne. Par contre, du coup, je ne sais pas ce qu'elle fera. On la changera. Je pense qu'on la changera. En fait, on la passera en hiver en ouvrier de ferme. Comme ça, en hiver, elle transformera les produits qu'on a produits le reste de l'année. Le temps qu'on ait des personnes qui soient sur tous les fronts, pour l'instant, c'est pas trop possible. Donc, il me faut quelqu'un qui est bon en extraction. C'est pour l'eau. Après, je pense qu'il n'y aura que des femmes là pour l'instant, donc je préférerais encore prendre minimum un homme pour remplir et faire des couples, pour remplir les maisons. Ouais. À moins vraiment qu'il y ait quelqu'un de très très bon. Ah, je n'ai fait qu'un, zut. Je suis au stade de bourg. Ouais, je vais pas me faire beaucoup d'argent, mais j'ai pas eu le temps de ramasser beaucoup plus. Faut pas que j'oublie d'acheter du fumier en plus ici. Hein. On a quelques petites choses à faire. Alors. Extraction nulle, de toute façon. 2 et 1. Donc moi je préfère quand même prendre 3. S'il y a moyen, c'est quand même mieux. Le fermier, où est-il ? Lui, c'est Unigos, c'est pas lui que je devais voir. Hein. Récupérer le vin, voilà. C'est à la taverne que je dois le récupérer ? Non. Petit ! Bigost ! Ok, Adelina. Bien le bonjour, comment puis-je vous aider ? Bonjour, je viens chercher le vin que ma femme a commandé. C'est pour une soirée en amour, vous voyez. Ah oui, la dame avait le visage impassible, n'est-ce pas ? Ben oui, 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 c'est bien elle, en effet. Une description appropriée de sa personne. Ah, le voici. Je suis sûr que vous allez l'apprécier. Bien des couples en commande pour des occasions spéciales. On dit que c'est en fait un aphrodisiaque. Un aphrodisiaque ? Quoi ? Ça veut dire que vous n'oublierez jamais la nuit que vous êtes sur le point de passer. Ok. Oh, 300 en réputation dynastique, c'est beaucoup ça. On va voir un peu ce qu'elle a à vendre tant qu'on y est. C'est de la bouffe principalement, j'en ai pas besoin. On vend les couteaux comme d'hab. Ok. Alors, faut trouver le fermier. Le Saint-Cier, où est-il, Edwin ? Il est là-bas. Toujours à l'œuvre, hein ? Bah oui, les fermiers, ça travaille beaucoup. Hello. Only the best products here. Alors, mon cher fermier, tu vas me vendre un peu de... Un peu de fumier. Ah, ils vendent l'engrais directement aussi, mais... C'est un peu bête, je peux le transformer. En même temps, il faut 2 fumiers pour faire un engrais et il le vend. Ouais, il vend 7 au lieu de 5,6, donc c'est un peu plus cher. Il vaut mieux acheter le fumier. Je vais lui reprendre le max, on en a besoin du fumier toujours. Have a good day. Voilà, du coup, maintenant. Je pourrais, si je voulais, retourner vers Norbert, mais honnêtement, j'ai pas envie de faire ça maintenant. On ira une autre fois. Les carottes livrées à Tibalda 20. Oui, Tibalda, c'est bien ma femme. Je me posais la question. Bon, on est la moitié de la journée. Je pense que le temps que je rentre, ce sera le soir. Je travaille un petit peu à la maison et puis je lui donne le vin. Je lui fais la surprise. Je vais rentrer. Je crois que j'ai plus rien à faire ici. Je pense pas. Je crois que je peux me permettre de rentrer. Peut-être une petite chasse, un petit élan en rentrant serait pas mal. M'assurer que ma populace ait à manger.
Ah oui, ma femme m'attend, bien sûr. Ah, c'est le milieu de l'après-midi, elle m'attend pas maintenant, tu sais, elle se doute bien que je vais faire des choses intéressantes. Elle sait que je suis pas du genre à m'arrêter à la taverne pour picoler toute l'après-midi. Hein. De toute façon, j'ai pas d'amis, alors boire tout seul. Bon, il y a bien une e-ghost, mais je suis pas encore sûr de lui faire confiance. Alors. Attendez, là, oui, on va aller par là. Pense à ne pas cramer tout le fumier, je vais essayer de tout mon cœur. Je dois en garder juste un. C'est vrai que j'aurais peut-être dû aller tout de suite, comme ça c'est réglé et... Est-ce que c'est loin? Alors, on est juste pas loin du pont, je pense que je vais y aller maintenant. C'est pas le plus passionnant, mais... On a largement le temps de le faire encore aujourd'hui, c'est qu'à 600 mètres, honnêtement c'est pas si loin. C'est pas si loin. On ramasse des pierres. Qu'est-ce qui met du temps à ramasser des pierres là, dans le site d'extraction là ? Faudrait que je vérifie quand même qu'il ait la bonne compétence. On va regarder, tiens. Après, il y en a qu'un évidemment sur les deux. Ah, mais c'est Tibalda qui travaille dedans. Tibalda. Oui, non, elle a 3 en extraction, c'est normal. C'est bon. C'est bien du fumier qu'il te faut, pas de l'engrais. Oui, hein, c'est bon, j'en ai 30. C'est indiqué en haut à droite. J'ai tout ce qu'il me faut. Bon, après, est-ce que ça va être suffisant ou est-ce qu'ils vont encore m'envoyer ailleurs? Bon, j'en sais rien, honnêtement. Je ne serais pas surpris qu'il m'envoie encore ailleurs, mais... Je voulais de toute façon faire une petite chasse avant de rentrer, histoire de ne pas rentrer les mains vides. J'aime bien quand ma population me voit arriver avec quelque chose dans les mains, vous voyez. Genre, ils rentrent pas d'avoir glandé tout l'après-midi, ils rentrent d'avoir fait une petite chasse, quoi. Ça maintient la motivation des troupes. Bon, un lapin, alors c'est ma première chasse, ma première technique de chasse, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est je cours vers le lapin avec ma hache, je lui plante dans le jarret. Oh, tiens, mais il est là-bas. Je suis trop fatigué, j'y arrive plus. J'y arrivais mieux avant. Hein. Voilà. Non, il faut un en fumier et j'en ai 30. Non, Kevin. De toute façon, maintenant, je suis tout proche. On va le vérifier, mais j'en suis quasiment sûr. Donc, pour tout ce qui est déco, hein, la déco du village, on va faire, mais... Je pense que c'est quelque chose qu'on fait plus tard dans une partie quand on a déjà pas mal de choses qui sont automatisées. Et du coup, on ramasse ce qui est produit pour faire les décos et tout. Parce que là, il faut que je construise. Hein. On fait du foncier, là, si vous voulez. Hein. Il est où ? Par contre, j'aurais bien faire un feu de camp et des bancs pour que les gens puissent se regrouper le soir. Je trouve que ce serait cool. Bon, j'ai trouvé les ingrédients, Norbert. Merveilleux ! Laissez-moi commencer l'infusion. Un peu de ça, un petit peu de ceci. Ah, vous avez apporté de bons ingrédients, hein. On remue vers la gauche, on remue vers la droite, une bonne rasade de ça, et c'est terminé. Excellent, merci beaucoup pour votre aide. Pas de problème, pensez juste à rappeler aux clients de boire ça 3 fois par jour et tout ira bien. J'y veillerai, prenez soin de vous, Norbert. Ok. Livrer à Fenena l'élixir de virilité cosmique. Fenena qui était... qui était à 900 mètres par là vers le sud-ouest à Denica. Ok, bon, on va rentrer à la maison, on ira bien à Denica. Peut-être en allant chasser l'ours, on pourrait faire un tour par là. C'est vers les montagnes, c'est pas mal.
On va aller vraiment à travers tout. Hein. Est-ce que j'ai déjà mis ma tête des langes? Non, je les ai pas vus. Non, j'ai pas vu. Pas vu qu'on pouvait la mettre. Ah, peut-être qu'on peut la mettre dehors au-dessus de la porte, un truc du genre, ça pourrait être pas mal. Après, je vais décorer ma maison, mais quand j'aurai le dernier niveau de maison, pour faire directement une belle maison à moi, je pense. Donc pour l'instant, c'est vraiment pas urgent. Ok, allez. Aroki qui se réveille, il manque 5 marguerites pour finir ta quête. Mais qu'est-ce que tu racontes? On a terminé la quête il y a 2 minutes. Il y a 5 minutes. Bâton. Oh, un petit site de camp, on l'a pas vidé celui-là, regardez. Une boîte de chauffage. Une bouteille d'hydromel. Un chapeau de pipe là, ça pourrait être pas mal, je suis pas sûr d'avoir un chapeau pour l'instant. Effectivement. Excellent. Bâton, quoi d'autre? Une arme, ce serait bien. Neteko, salut, comment vas-tu? Du vin. Hâte de retrouver ma femme, hein, chérie, évidemment. J'ai fait un petit détour, mais là, j'ai très hâte. Faudra que je pense à me laver un petit peu, d'ailleurs. D'abord, quelques petites pierres. Toujours utile, vu comment elle ramasse très lentement les pierres. Mais bon, c'est ma femme, je peux pas lui en vouloir. Pas trop en tout cas. Une torche. Voilà, c'est bon. On est juste de l'autre côté. On peut quasiment voir Harald qui travaille. En allant voir Fenena, on regardera autour du feu de camp dans ce bled là s'il n'y a pas des gens qui sont bons en extraction pour que Iwona puisse pêcher. C'est son truc. C'est vrai, on peut voir le personnage de la troisième personne? Ah oui. Je suis très placide. L'hydromel, ça va. Oui, ce genre de truc, je vais pas les boire, je vais les vendre. Mais ça va, je te remercie. Est-ce qu'il avance? Oui, il avance bien le village, il avance bien. J'ai des tonnes de petits bâtons, mais ça part vite, je t'avoue. Ça part très vite. Ah, vous voyez, j'ai eu largement le temps de faire la quête et on n'est pas encore à la fin de la journée. On est bien. On va essayer de garder quelques arbres dans le village. Là, je vais pas les couper. Bon, que fait-on? Que fait-on? Que fait-on? Je vais parler à ma femme, quoi. Ou je lui parle au soir. On va aller voir les ressources. Ah, il a produit des chaussures en fourrure. Je crois que ça m'intéresse. L'automne arrive. Je vais les prendre. Bois de chauffage. Alors, je vais remettre du bois de chauffage parce que le garder sur moi ne sert à rien. C'est bon, on en produit suffisamment. Cool. Alors je vais pas prendre les bâtons maintenant parce que les bâtons j'en ai besoin pour faire les outils, donc je vais les laisser et même je vais les remettre un petit peu. Calcaire, paille, idem, on va laisser. Rondin, je vais prendre. Tissu, on va laisser. Ok. Pas mal. Alors,
Est-ce que les champs... Ouh, on dirait qu'elle a bossé sur les champs, regardez. Oh là 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 là, tout est labouré. Par contre, c'est pas semé. Hein. C'est pas semé. Peut-être parce que c'est... Mais c'est l'été, donc elle aurait pu pouvoir le faire. Je vais peut-être devoir le faire moi-même. Hein. Très embêtant. Tu es gaming. Merci beaucoup pour le don. C'est très sympa de ta part. Je te remercie. Un petit retour sur Farthest Frontier, un de ces jours. Je pense que je vais attendre des updates quand même. J'ai fait une super longue série à la sortie en accès anticipé. Donc j'aimerais bien qu'il y ait quand même du nouveau contenu avant qu'on se remette dessus. Faut que ce serait mieux. Donc à mon avis, pas avant une paire de mois, quoi. Bon, du coup, maintenant, on n'a plus besoin de garder le fumier. Je vais refaire de l'engrais. Ton plan de champ n'est pas fait? Bah si. Ici. Tu as défini la rotation des champs. Ouais, ouais, ouais. On va regarder quand même ensemble, si vous voulez, hein, pour être sûr, mais... Est-ce qu'il y a des graines et tout ça? Graines de blé, ah, y a... graines de lin, bah, y a 58, donc elle peut le faire. Graines de chou, 26, c'est bon. Hein. Ça manque d'outils peut-être? Grange. Oui, il n'y a pas d'ouvrier dans la grange, mais il y a... Alice est fermière, alors pourquoi elle ne plante pas? Pas envie de le faire moi-même, hein, Alice. Demain, c'est l'automne, donc à mon avis, c'est mort, mais... Tant pis. Tant pis, tant pis. Ok, qu'a-t-on débloqué d'autre? Je me dis que j'aurais bien fait un endroit pour faire un petit feu de camp, vous voyez. Je peux faire de l'engrais avec l'épée pour... des baies pourries, très bien. Ah, elle a un sac, elle a un sac. Non, non, on manque pas d'outils, sinon ce serait indiqué, hein. Je pense juste qu'elle a pas eu le temps, elle a juste labouré, ça prend du temps. Ils travaillent beaucoup moins vite que nous, hein, les gens. Mais genre beaucoup, beaucoup moins vite. Je crois que ce serait pas mal de faire près de la zone un petit peu plus ouverte ici. Ici, à une petite zone de rassemblement. Alors. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un feu de camp. Feu de camp ordinaire, feu de camp en bois, feu de camp en pierre, ce serait cool. J'ai pas envie de dépenser 150 pour ça pour l'instant, voilà, c'est cher. Je peux faire un... Ouais, vraiment, c'est moche. Le feu ordinaire, évidemment, il est tout petit. Là, c'est 30, on va le débloquer. Faut 8 bois de chauffage, d'accord. Je verrais bien le feu de camp près des trois arbres. Attends, parce que moi je veux mettre des champs autour et tout. Hein. Comment dire, des bancs. Je vais mettre des bancs, donc je me dis que je voudrais quand même avoir une zone un petit peu ouverte. Pas trop resserrée, tu vois. Déjà faire celui-là sera déjà pas mal. Dit que si on met ça comme ça ici. On essaie des trucs, de façon on peut bouger hein, s'il faut. Table, siège, donc c'est siège. Le banc en rondin, ça coûte... Oh, ça coûte 500. Vous voyez, je vous disais, la déco c'est pas pour maintenant. J'ai pas payé 500 pour débloquer d'un banc quoi. Ça me sert à rien. Souche, siège, d'accord, ça coûte 250, punaise quoi. Non merci, ce sera pour plus tard. Les éclairages, la torche sur pied c'est 400, bon dieu. Non, c'est pas pour tout de suite les décos. Moi, je vous dis, il fait noir, il est temps d'aller dormir. Si vous voyez ce que je veux dire. Vite, vite, vite. Ah, j'ai plein de viande aussi, on va quand même aller mettre ça dans le stock. C'est le bison, ça, encore.
C'est vrai que j'ai de la pourriture. Ah, mais il y a peut-être de la pourriture même là-dedans, non? C'est là que je l'ai vu. Ça, je peux la récupérer au fur et à mesure que les viandes pourrissent et en faire de l'engrais aussi. Alors, j'avais dit que je regarderais pour mettre... Alors, il faut que je garde des doublons parce que... Il y a des vêtements qui sont mieux contre la chaleur, d'autres contre le froid. Donc, je pense que en automne et en hiver, on mettra les trucs en fourrure et tout. Et puis au printemps et en été, on mettra les trucs un peu plus légers. Oh, déception, elle n'est pas encore là. Ah si, elle est là, elle m'attend. Je suis de retour, ma chérie. Es-tu prête à monter au 7e siècle? Pas très fin. Il y a eu un changement de dernière minute. Oh. Allons donc. Pendant ton absence, une amie est passée et m'a parlé d'un problème à Branica. Apparemment, une femme en provenance de l'extérieur de la vallée y est venue et y a fait une scène. Je ne connais pas tous les détails, mais les villageois la traitent de menteuse et d'escrocs. Bah, qu'est-ce que ça va faire avec nous? Je me souviens à quel point ça a été difficile pour moi de venir m'installer ici au début. Je me sentais seul et jugé par les autres. Il faudrait que tu y ailles et lui demandes si elle n'a pas besoin d'aide. Mais ma chérie, mais attendez, on la connaît même pas. J'ai le vin, on est ensemble, on est bien. Je suis sûr qu'elle ira bien. Y a pas besoin que j'y aille. En plus, je peux pas y aller maintenant, hein. En effet, car elle pourra compter sur l'aide du meilleur homme que je connaisse. Ce qui me rendra vraiment heureuse. Et comme tu le sais, je sais me montrer très généreuse quand vient le temps des récompenses. Je reviens tout de suite, mais demain. Oh, elle est dure en affaires, hein. Elle est dure en affaires. Allez voir ce qui se passe à Branica. C'est où Branica? Mais moi je vais à Denica demain. Branica c'est là-bas, j'en viens récemment, j'ai pas envie d'y retourner, hein. Tant pis. Bon, je vais dormir dans l'autre lit, hein. Je suis fâché, franchement. Ok. Oui Laurent, désolé, t'as raté la chasse au bison. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ah, j'ai plein de vie, c'est bien, on pourra aller chasser l'ours. Super. Ok, on part tout de suite. D'abord, vérifier que les carottes, c'est bon. Ah, je les vois, elles ont poussé. Honnêtement, je pourrais les récolter moi-même, ça va aller super vite. On les prend à la main. On perd pas de temps. De toute façon, c'est l'automne, je suis pas sûr qu'on puisse encore faire des semailles l'automne. Donc si, il y a sûrement des trucs qui fonctionnent. Mais il faudrait que je prenne le temps de regarder, mais là, on va partir. Je vais mettre les graines dans le stock. C'est où? C'est là, je pense. La graine de carotte. 16. Voilà. Unighost livré à Sambor. Tout ça, on peut le faire. Donc, on retournera voir Sambor une autre fois, mais là, bon... Il est un peu lourd quand même, hein, on va pas se mentir. Et on ira à Branica dans la foulée parce que c'est pas loin. Alors par contre, Fenena, on va faire maintenant. On avait dit qu'on ferait maintenant. On est pas mal. Vérifie si les ouvriers ont des outils. Si tu veux, oui. Donc, dans l'excavation, il nous manque des outils. Ah oui, à la forge, j'avais dit que je regarderais aussi ça. Pioche, pelle. On n'a pas de pioche. Forge. Maillet. Faut que je fasse des pioches et des maillets, c'est ça? Pioche en pierre. Ouais, l'art gauche, je sais comment en planter. Pas de soucis. Mais merci quand même. Émaillé, j'avais dit. Hein. Maillé en bois. Même si normalement, il devait pouvoir en faire lui-même. Mais bon, je vais quand même lui en faire.
peut-être une question d'équilibre. Ça devrait être mieux, normalement. Pour le temps qu'ils se rendent compte peut-être du truc. On va les laisser un peu se débrouiller, on va partir chasser. Chasser l'ours, chapitre 8. Alors les pelles, bah, la forge, il va les faire en fait. Donc normalement, je devrais... C'est vrai que j'aurais pu en faire là, mais je... Bon. A priori, il doit en faire. Après, c'est vrai qu'ils sont tellement lents, bon... Hop là. Fenena. Et si on trouve quelqu'un qui est bon du coup en extraction, ce serait bien. Là, on va chasser l'ours et après j'essaierai de faire des nouveaux bâtiments. Vous l'avez ? Voici votre potion de n'importe quoi cosmique. Ne faites pas l'enfant. Je respecte l'intimité de mon client, espèce de fouineur. Qu'est-ce que je dois en faire ? Norbert a dit de la boire 3 fois par jour. Compris. Alors, est-ce qu'on va faire affaire ? Pas si vite. Comment est-ce que je peux être sûr que la potion marche ? Vous aurez votre argent quand je enverrai les effets. Revenez demain. Très bien. Superbe. Ici, on a un mec, Wigbert. Ah, il a que 1 en extraction. C'est pas assez, hein. Après, il a 3 en survie, mais on a déjà Iwowina là pour faire ça, donc c'est pas tellement utile. Ou alors je reprends une femme, elle a 3. Je suis pas sûr que j'aurai la maison pour la mettre, faut qu'on regarde. Ouais, non. De toute façon, même un homme, on n'a plus la place en fait. Hein. Faut que j'aille refaire une maison avant de recommencer à recruter. Pas de problème. Je vais en faire qu'un ou quoi? Je me souviens de la chasse à l'ours, ouais, dans The Long Dark, c'était dingue. C'était dingue. Ouais, ça, je vais en faire qu'un. Bon, on vendra ailleurs une autre fois. Qu'est-ce qu'on peut acheter ici sinon? On a Dagobert là-bas. Welcome, stranger. Best goods in the valley. Alors, le couteau... Je dois garder un couteau, mais on en refera un en route, c'est pas grave. Je dois toujours en avoir un sur moi, évidemment. Faut qu'on aille débloquer, je pense, le truc. Hein. Du fumier, on va en racheter une quarantaine. Je pourrais essayer de me diversifier un petit peu, mais pour l'instant, je ressens pas spécialement le besoin. Ah, les jeunes plants, ça donne envie, mais... Genre le houblon, pour l'instant, je pourrais rien en faire, donc c'est pas utile. C'est cher. Hein. Je vais garder mon argent pour le moment. Ok. Have a good day. Bien, allez, c'est parti pour l'ours. Enfin, on va essayer de trouver une cave. On en profitera pour extraire éventuellement un petit peu de... Alors, mon idée, c'est de... La montagne est là. D'aller vers le sud et puis de longer en... Mais je pense que j'étais déjà allé là. Je pense qu'on devrait prendre ce chemin-là, en fait. C'est un peu loin, mais... Je le sens bien.
On est encore tôt dans la journée, on a le temps de crapahuter quand même. Ah, il fait beau aujourd'hui, regardez ça, pas un nuage. Une belle journée d'automne comme on les aime. J'allais dire une belle journée pour mourir, pour l'ours. Hein. Soyons optimistes. Mais ton GPS, qu'est-ce que c'est? Ça n'existe pas. Lilou, salut! Oh! Est-ce qu'on a déjà trouvé ça? Petite pierre en passant. On a quoi? De l'argile, c'est toujours bon à prendre. Une pelle. D'accord. Donc là, je devais aller un peu à l'est et puis on bifurque au sud. Vraiment pour se coller à la montagne. Oui, on est bon, tout droit. N'oublie pas de refaire un couteau, oui c'est vrai. On y croit pour l'ours, enfin, j'y crois qu'à moitié. Après j'ai des potions, je peux me truffer de potions tel le sorceleur. Après en découdre, mais... C'est vrai que ça reste un ours quoi. Hein. J'y crois également très moyennement. Déjà faut trouver l'endroit quoi. Voilà, on est sur le bon. La montagne est là, le chemin est serpent au travers de la montagne. J'ai eu peur. Headshot. Je prends un niveau de chasse juste avant d'aller attaquer l'ours. C'est de bon augure. C'est de très bon augure. On changera les flèches également. On prendra les flèches en cuivre ou en bronze ou je sais pas quoi, juste avant d'attaquer l'ours. Alors, choisissons bien. J'ai pas pris grand chose encore ici. Hein. Je ne chasse pas assez. Le mode inspection permet de suivre les animaux, d'accord. Déplacement 10% plus vite en faufilant. J'aurais peut-être prendre un des deux pour monter vers ceci en fait. Ouais, il n'y a rien de super en fait. Hein. C'est vraiment pas génial. Je sais pas trop. Je vais prendre l'XP pour prendre monter plus vite. Mais il n'y a rien qui... Suivre les animaux, ça peut être pas mal. Je vais prendre ça. Oh non, allez, je vais passer un peu. On essaie d'ouvrir les yeux très grands. Pourquoi? Pour trouver des tonneaux, déjà. Ou du sel. Quel est le maladroit qui a perdu son chargement de sel et qui n'est pas venu le récupérer? Ça vous dessoue, ça, quand même. Bon. Je sais pas si je dois m'éloigner de la route ou si je dois rester sur la route. Pour l'instant, on va rester dessus. Ouais, j'avais un piège de mie, mais c'était un piège pour les lapins. Ça donne pas grand-chose. Je perds pas mon temps. Oh bon Dieu! Ah! Je vais le poursuivre. Mode inspection pour le suivre.
Ah non. Il y a son cousin. Il y a son frère. C'est de la triche, punaise. Oh. Ils étaient deux. Je l'avais eu pourtant. S'il avait pas, il s'est enfui vers son copain, ce lâche. Fin de la dynastie. Comme tu y vas, toi. Bon, il y avait une sauvegarde auto, on verra où elle était. Hein. On va changer les flèches, du coup, juste avant d'arriver. Je pensais que je verrais la grotte avant de voir les ours, mais non. Ça aurait été... Ça pourrait être pas mal de chasser l'ours en hiver quand ils sont en train d'hiberner. Peut-être qu'ils sont un peu moins... Oh, c'était avant d'arriver à Denica. Zut. Je pensais pas être dans le danger immédiat comme ça. Hein. On va devoir refaire ça, hein. Désolé. Elle fait un magnifique headshot sur un loup en plus. Mais bon, ça va aller vite hein, en fait parce que... J'avais pas fait grand chose. J'avais parlé à la femme et puis on avait acheté du... Oui, mais c'est parce que je voulais pas prendre de potion avant d'être sûr de trouver un ours, tu comprends? Je voulais pas la gaspiller. Maintenant, je suis sûr d'en trouver un. Voilà. Dagobert, il est là. Hop. On va lui acheter son fumier. J'aurais peut-être pu en acheter un peu plus directement, tiens. Ok, je vais pas lui vendre mon couteau, du coup je le garde. C'est étonnant que j'avais pas sauvé entre les deux, mais j'ai pris la, j'ai quand même pris la plus récente, on est d'accord. De toute façon, je viens d'écraser, donc... Fais une nouvelle hache, la tienne est prête à casser. Oui, oui, mais... S'il pouvait y avoir qu'un ours en même temps, ce serait quand même mieux. Un petit peu fâché, là, pour le coup. Bof, chasser l'ours en hibernation, dit Téléman, t'es de quelle humeur toi lorsqu'on travaille en sursaut? Mais déjà, je suis complètement endormi, donc il y a moyen de me liquider assez vite. C'est ça l'idée, mais je suis de très mauvaise humeur, effectivement. Ok, en tout cas, c'était la bonne idée d'aller par là. On pourrait découcher ce soir, hein. Ça lui ferait les pieds à Tibalda, là. Genre, je dors dans un feu de camp pas loin de l'endroit où Fenena se trouve, comme ça, on termine la quête dans la foulée. On rend un petit peu jalouse ma femme. Elle arrête de m'embêter avec ses quêtes qui n'ont ni queue ni tête. Il y a beaucoup de pierres par ici, tiens. Alors, ok. Ouais, deux pour le prix d'un, là, franchement, allez, j'étais si content. On l'avait eu, hein, l'autre, il s'enfuyait, hein. J'avais plus qu'à lui décocher une petite flèche dans le dos et c'était bon, hein. Il était mort. C'est vraiment pas de bol. Bon, c'est pas loin, hein. Je vais m'arrêter. On va s'occuper de s'équiper de flèches un peu plus... Voilà, en bronze, j'en ai 5. Donc c'est pour ça que je voulais pas les équiper avant vraiment d'être sûr qu'il y a un ours. Ah bah les potions, je les avais vendues pour faire du pognon. J'ai pas de potion de quoi que ce soit par guérison instantanée. Donc si jamais je me fais attaquer... Après, je sais pas quand... Quand on va dans le menu, le jeu se met en pause ou pas? Je fais ça. Je pense pas, je suis pas sûr. Déjà, on va y aller en mode furtivité.
prend le sel quand même. C'est pas loin, hein. Après, voilà, j'ai rechargé, ils seront peut-être plus exactement au même endroit. Je suis pas sûr d'y arriver une deuxième fois d'en tuer un déjà. Je sais pas si je peux mettre une potion dans un emplacement de touche. Ça vaut le coup d'essayer. Non. J'aurais dû prendre le temps d'essayer de crafter un arc un peu meilleur, tiens. Je dois pouvoir le faire. Je me demande si je monte un peu dans les... Vous voyez, si je fais un peu le cabri, là. Peut-être qu'ils sauront pas m'attaquer ici. J'ai peu d'espoir, mais peut-être... On va aller les sniper. Oula, je suis vite monté, hein. Oh ! Je suis vite descendu aussi. Plantain, oui. Ils ont une voie royale pour m'attaquer de nouveau. Je suis pas tombé sur un ours là. J'ai pas trouvé de trou non plus d'ours. Peut-être là? Ah zut. C'est peut-être plus loin. Alors c'est un peu aléatoire. C'était peut-être plus haut, hein, je sais plus. Je crois que c'était quand même plus bas. Bon, soit nous on essaie de trouver une... Punaise. Il m'a pas vu. J'aimerais bien lui en planter une dans, entre les deux oreilles. Ça va être possible. Ah, j'en ai mis trois, elle m'a pas touché. Yeah! Ok! J'ai plus de couteau. On va aller voir où il était à... Il doit y avoir une grotte dans le coin, une grotte d'ours, quoi. Ah, j'ai terminé directement des trucs, là. J'avais pris un peu d'avance, je pense, hein. Avoir un héritier, bah disons que c'est la... j'avais de la suite dans les idées, hein. On a gagné de la fourrure et de la viande, d'accord. Oh, c'est dommage que j'ai pas eu des... C'était mort. Diplomatie, ouais. Chasse. Je l'ai eu à l'aise, hein. À l'aise. J'ai eu un peu chaud quand même quand il était tout prêt, mais on l'a eu juste au bon moment. On a terminé juste ce qu'il fallait. Alors, compétences. Chasse. Donc j'avais pris ça, suivre... Diplomatie, ça pourrait être utile avec ma femme, elle est dure à cuire. Les PNJ produisent des biens 5% plus rapidement. Ah oui, ça c'est bien la diplomatie. 25% de chance de ne pas perdre de réputation auprès du roi après avoir échoué ses défis. Ah, il y a des défis du roi? Réduction de l'humeur plus lente de 10%. On va augmenter la production de mes ouailles. Hein. Ça me paraît bien.
Alors, il était où encore l'ours? Il était plus loin? Je cherche cette grotte là. J'ai plus que deux flèches de bronze, hein. Oh, il est là le deuxième. C'est largement insuffisant, deux flèches de bronze. J'espère que la troisième s'encoche directement en pierre. Je pense que je vais pas louper à devoir tuer le deuxième, hein, pour être tranquille. Badelien, je fais autre chose. Hein. Je suis obligé de continuer à faire autre chose que YouTube. Hein. Je peux pas vivre de YouTube, là. Voilà la grotte, regardez. Non, là, il faut qu'on aille jusqu'au bout des choses, là. Enfin, qu'on essaye, en tout cas. Ah, je trouve pas le deuxième ours. Est-ce qu'il est rentré? Un homme qui tue un ours avec trois flèches et deux coups de hache n'a nul besoin de potion pour la nuit. Oui, tu parles de la potion qu'on a fabriquée. Il y en a un là. Je crois qu'il est là-bas, alors j'ai cru voir bouger. Bah quoi? Allez, on va prendre le minerai là, ça peut être utile. Une pioche. Du coup, pioche. On vient de voir le deuxième ours, il était loin. Vous me faites peur. D'accord, ça use directement les gisements, là. C'est vraiment en attendant de pouvoir faire une mine. On va exploiter ici les gisements. Si c'est pas toi qui trouve l'ours, ce sera l'ours qui le trouvera. Ouh là là. J'aurais loupé un dernier minerai sous la... un dernier sel sous la charrette. On regardera en revenant. Est-ce que l'ours peut entrer dans la grotte? Moi je pense que oui. Hein. Vu que c'est sa grotte d'ours. Je suis là en exploitation, hein, mais je me dis, vous voyez, c'est quand même un peu loin, j'ai pas envie de revenir tout le temps, donc la prochaine fois qu'on reviendra sera pour faire la mine. Je pense que ça se met sur l'entrée, mais je crois pas que j'ai ce qu'il faut pour le moment. Hein. Mine, il faut 5000 en technologie, donc je suis vraiment loin de le faire. Ça veut dire que tout le minerai de fer que je vais avoir pour le moment d'étain, etc., c'est moi qui vais devoir venir le chercher. À moins que la cabane d'extraction niveau 2... Enfin bref, il y a peut-être d'autres moyens. On va pas se stresser, on va juste prendre un petit peu de truc et rentrer. Oui, je vais marquer dans... Oui, bien vu. Je vais marquer l'emplacement sur la carte. Voilà. Bon, je suppose qu'il y en avait sans doute une plus loin quand même, plus proche, pardon, mais je suis pas tombé dessus. Alors on peut construire des chariots, je sais pas, mais on peut en tout cas avoir des ânes pour le transport.
On peut avoir des chevaux. Je crois que j'ai assez de trucs, non ? On va rentrer. Est-ce que les gisements se régénèrent ? Aucune idée. Si, parce que la grotte, je pense que tu fais un bâtiment dessus. Tu fais le bâtiment de la mine. Une vraie mine avec quelqu'un qui va travailler dedans, tu vois, donc... c'est bien de le marquer. Bon, voilà, j'ai pris quand même beaucoup de choses. On va rentrer, hein, mission accomplie. On a tué un ours et même deux. On a exploité. On va rentrer. Je vais quand même dormir dans le lit conjugal, hein, même si j'ai dit que je voulais un petit peu être... me montrer un petit peu vengeur, me venger. Je vais pas le faire. Pas si urgent. Alors j'ai dit qu'on avait tué deux. Non, je veux dire, on a tué un, mais on a esquivé le deuxième. Non, peut-être qu'on va tomber dessus, hein. J'exclus pas de le liquider. Mais je crois que si je peux l'éviter, c'est... Ça fait peur ce pigeon. Si je peux l'éviter, c'est quand même mieux, là. Aïe. Voilà, objectif rentrer, récupérer des matériaux de construction, même si je ramasse plein de trucs aussi ici. Peut-être que je vais repasser par le village de Fenena pour vendre toute sa bête. Vendre des couteaux. On a toujours besoin de pognon, hein. Oula, où est-ce que je suis moi ici ? On passerait bien à Jezerika, je pense que j'ai jamais été. C'est au sud-ouest. Sud-est, pardon. Pourquoi pas, on est juste à côté. Il y aura peut-être des ports là-bas. Je me souviens plus les bleds où il y avait des ports. Je pense pas que c'était un d'entre eux, mais... Allons voir. Ah d'accord, c'est un bled un peu forestier. Très bien. Ok. Ça c'est le stockage. Est-ce qu'on a pris quelqu'un pour l'extraction finalement? Je pense pas. Hein. Ah mais on avait dit qu'il fallait de toute façon une maison en plus. Être un peu coincé là. Ouais, il faut que je fasse une maison en plus. Purée, il n'y a rien ici. Il y a une taverne, c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Hello. Tu vends quoi, toi? Ah. Oh, je sens... Écoutez, hey. On peut mettre qu'un marquage en même temps, Julien. C'est peut-être pour ça que j'ai enlevé l'autre. Peut-être que je devrais acheter des cadeaux pour ma femme, hein. Genre une bague ou un truc comme ça. Ah non, le prix est tout à fait exorbitant. Je peux pas. Putain. Have a good day. Ok. Ah, il faut 5 bâtons. J'ai pas du tout assez ramassé de bâtons en fait. Hein. J'ai des mégatonnes de pierres, mais pas de bâtons. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour les vendre ? Ça, c'est des rondins, donc ça, je pourrais faire des pioches, mais pour les rondins, j'aime bien les garder quand même pour fabriquer des choses. Des bâtiments.
How is life treating you? My wares never. Qu'est-ce qu'on peut vendre qui vaut du pognon? Le classement par prix, il déconne complètement. Le vin, on va vendre. Oui, ça rapporte. Peut-être je pourrais acheter. Après, si j'achète une bague, elle est capable de me demander un châle en soi, donc je préfère ne rien acheter pour l'instant. Et me dire si elle veut quelque chose, elle me le dira toujours bien. Ça, on peut compter sur elle. Il n'a plus beaucoup de pognon. Hein. On va peut-être s'arrêter là. See you soon. Ok. It's nice to meet you. Whatever you need, I've got it. Oh, ils n'ont rien d'intéressant ici, c'est vraiment terrible. Où puis-je trouver un des animaux de la ferme? C'est vrai qu'on peut demander animaux sauvages. Hein. Mammifères. Un chasseur pourrait vous aider, d'accord. Rolnica les cochons. Poulet Rolnica bro, d'accord. See you soon. Bon, je crois que j'ai fait le tour, hein. C'est vraiment un village de merde. Hein. C'est pas pour critiquer, mais... C'est vraiment naze, hein. Y a rien. Ouais, le marqueur de mon village s'est enlevé. Après, il est facile à trouver, le village. Bon, on va repasser par Denica. Peut-être que si c'est là, quasiment la nuit, je ferai un petit feu de camp. On dort juste à côté, quoi. Il faut qu'on ait plus de bâtons. Hein. Je peux construire la porcherie. Je sais pas, on peut regarder si je peux la construire. Oui, je peux la construire. C'est vrai. Nickel, je pensais que j'étais pas encore arrivé là, mais je peux. Donc, franchement, les œufs, on peut s'en passer. Hein. Et le fumier, c'est quand même vraiment utile. Rolnica et Boro, c'est ça que j'ai retenu. Ça pourrait être un bel objectif, en fait, hein. Borowo, c'est de la façon, on va retourner à Borowo assez vite. Hein. Donc on va faire ça. Super. On a un objectif. En plus d'avoir un héritier, bien sûr. Oh. Ouais, il faut que je boive un petit coup. Oh, une nouvelle arche en fer. Quel timing. Regardez ce qui me restait. Franchement, l'avenir nous sourit. Hein. Qu'est-ce que je suis bien là? J'ai tué un ours aujourd'hui. J'ai vu un bel endroit pour faire une mine plus tard. J'ai plein d'aventures à raconter à mes chers administrés. Alors, on va aller par là. On va bien améliorer les choses. Objectif port, hein, c'est sûr. Je veux cette porcherie, je veux ce fumier, je veux plus devoir aller l'acheter tout le temps. C'est sûr. Il te faut un apport de bouffe pour les animaux. Ah ouais, c'est vrai. Oh là là là. Un problème, chasser un problème, il y en a directement un autre qui arrive. C'est terrible. J'ai un peu de nourriture pour animaux en stock, mais faut que je sais la faire. Hein. C'est dans la ferme qu'on l'a fait. Non, il faut que je vois si les ingrédients, on a tout ce qu'il faut. Je peux regarder maintenant, hein, rien n'empêche. Toujours bien, je pense, quand on se pose une question, de regarder tout de suite. Il y a tellement de questions qu'on se pose. Voilà la grange.
Voilà, nourriture pour animaux, ça prend graines d'avoine, graines de seigle et paille. Ah, faut faire un mélange. Le problème, c'est que moi, je fais... Alors, c'est peut-être l'un ou l'autre, hein, je suis pas sûr. Mais il nous faut de l'avoine et ou du seigle. D'accord. C'est bien de le savoir, effectivement. Hein. Merci de m'y avoir fait penser, Sylvain. Sylvain Floride, merci beaucoup. Avoine et seigle. Alors, on va y penser, on va essayer de... d'acheter quelques graines, tout simplement. Quand on va passer au village. C'est bien. On adapte, on s'adapte, on se met des objectifs supplémentaires au fur et à mesure. On s'endort pas sur nos lauriers. Oh, il va faire noir quand on va arriver. Hein. Je pense qu'on va pouvoir enchaîner sur la quête de Fenena directement, en dormant là-bas. Je pense pas que ça me porterait préjudice pour la suite, je vois pas pourquoi. Aussi, avec toutes les pierres que j'ai ramassées, on va pouvoir améliorer les maisons au niveau de l'isolation. Je vais pouvoir commencer à le faire. Faut pas que j'oublie qu'il me faut une maison en plus aussi. Il te faut les trois, on me confirme. D'accord, merci Eline. C'était avoine et seigle, c'est ça? On arrive honnêtement... Attendez. Je revérifie parce qu'on va tout de suite aller voir le fermier d'Agobert. C'est ça, c'est avoine et seigle et puis de la paille aussi. Ouh là là. Est-ce que je produis assez de tout ça? Bon. Ah, c'est quoi ça, tiens? C'est la cuisinière, ça? Ouais. Bon, elles vont pas des graines, hein. Have a good day. Il va t'en falloir de la cargaison de caillasse pour être bien au niveau de tes bâtiments. Mais franchement, je n'ai pas mal dans mon inventaire. Akinik, salut. Oui, t'inquiète pas, hein, on en a déjà parlé au début du live. C'est réglé, on en produit. Alors, mon bon vieux Dagobert, déjà, je vais te vendre des couteaux. Je suis sûr que ça te surprend beaucoup. Voilà. Je vais prendre... Alors, je vais t'acheter... des graines d'avoine, certainement. Pas tellement, parce qu'on va en reproduire quand on aura produit une fois. Donc, je vais me faire, histoire de me faire peut-être une ligne pour commencer. On va quand même, disons, en acheter 10. Soyons pas trop pingres non plus. Et il me faut du seigle. Et tu en as. Maintenant, c'est peut-être plus qu'une qui est utilisée par. Par carré, je sais plus. Donc peut-être dans le doute, on va quand même en prendre un peu plus. Sachant que logiquement, on va en reproduire plus que ce qu'on en a consommé, j'espère quand même. Voilà, j'ai combien? J'ai 1300, ça devient pas mal hein, au niveau pognon, on est pas mal. Il y a du fumier, on va le prendre. Voilà. Bah, je comptais faire... Oui, je comptais changer Alice de place, en fait. Tu vois, en hiver, la mettre comme, comme ouvrière. Comme, de toute façon, elle ne saura rien faire dans les champs ou quasiment rien. Bah, elle peut préparer le sol et tout, c'est vrai. On va aller voir... Est-ce qu'elle est prête? Non. On va aller voir qui est là. Bah, c'est les mêmes, hein. C'est Wigbert. De toute façon, j'aimerais bien quand même refaire une maison en plus, quoi. Et puis on recrutera une femme et un homme. J'aime pas être pressé pour les loger, ça m'embête.
Donc j'ai fait ce que je voulais ici. On va aller dormir à l'extérieur. Je pense pas que je puisse dormir dans la ville. On va se faire un petit feu de camp. Ah zut, faut 16 bâtons, dis donc. Oh. Sinon, c'est quoi, on retourne à la maison. Hein. C'est quand même vraiment pas loin, quoi. Fenelar s'en occupera une autre fois. L'héritier, c'est bon là ou quoi? Qu'est-ce que je devais faire encore la dernière fois? Qu'est-ce qu'elle m'a demandé? Je sais plus. Ça se plante clan, le seigle et l'avoine, je sais pas, on verra. Hein, on va laisser ça en automatisé de toute manière. Ah, lève la tête. Je suis encore avec une flèche en bronze, c'est un peu embêtant ça. Je suis trop crevé. Je veux pas le lâcher. Fatigué, hein, je tiens pas le coup. Je vais attendre de récupérer toute ma... mon endurance et j'y retourne. C'est un élan quand même. Hein. C'est beaucoup de viande. Chercher une de ses potes, mais il y a... Ah ouais, non, c'est vrai, elle m'avait demandé... Oh là, c'est pas fini, loin de là. Je vais aller... aider une femme qui venait dans la région, mais qui avait du mal à s'intégrer ou je sais pas quoi. Donc faut pas que j'espère quoi que ce soit en rentrant à la maison ce soir. Demain, on va s'occuper du village. J'ai assez bougé ces temps-ci, honnêtement. On va faire une maison, on va aller recruter deux personnes, donc on va quand même bouger. Je trouve que ce qui est pas mal dans le jeu aussi, c'est que tous les éléments de gameplay sont un petit peu interconnectés. Quand vous allez faire une quête dans un village, bah, vous vendez des trucs en même temps. Vous achetez des choses, des graines, du fumier, dont vous avez besoin. Et donc, bah, finalement, on n'a jamais l'impression de se déplacer pour rien. Hein. Darkfou, si, j'ai déjà fait plein de lives où j'étais avec caméra. Hein. Mais c'est pas la norme spécialement. Je pense qu'on va aller piéter là. Ok. Alors, on va commencer par aller prendre éventuellement des ressources. Je vais peut-être également remettre des outils si je vois qu'il manque des trucs. Après, j'ai pas tous les outils différents en mémoire, honnêtement. Il n'y a pas de pelle, je ne sais pas s'ils en ont besoin. On va peut-être en faire une. Ou deux. On va peut-être refaire un sac. Ah, ils ont fait une petite sacoche. Vous voyez le prix des sacoches ? Eh, ça peut se vendre. Hein. La paille, je vais la prendre parce que je n'aurai besoin pour les toits éventuellement. Les rondins clairs. Ouh, purée, j'ai tout pris. C'est quoi ça? Pourquoi j'ai tout pris? Ah non, j'ai changé de catégorie, j'ai eu peur. Ah, le lourd.
le lourd. Bâton, j'ai l'impression que je n'avais pas tant que ça, on va prendre. Voilà. Vous savez quoi, je vais vaquer mes occupations et on verra après pour les outils. Maison. Alors on avait la maison ordinaire, la petite maison ordinaire, la maison ordinaire, et j'avais débloqué la maison et ça j'ai pas encore fait. Donc c'est la dernière, en tout cas de niveau 1. Après je sais pas s'il y a des niveaux 2, mais je vois pas. Donc j'ai l'impression que c'est la plus grande celle-là. Donc ce sera la maison à moi, quoi, en tout cas celle-là. On va la mettre un petit peu en hauteur, peut-être. Une maison qui surplombe un peu, peut-être, le village. Après, j'ai pas envie de la faire trop loin non plus. Mais là, peut-être, ça peut être cool. Sur cette petite butte, on va couper l'arbre. Je ne sais pas si la hache en fer est réparable. Je crois pas que les outils soient réparables. Quand ils sont terminés, il faut juste qu'il y en ait un autre en stock pour les travailleurs. Voilà. Vous voyez, moi je me dis qu'on ferait bien... je ferais bien ma maison ici, quoi. Ça me paraît cool. Alors, l'entrée est sur le côté apparemment, pourquoi pas. Darkfoo, mon style de jeu, si tu parles bien à moi, c'est plutôt les jeux de gestion, construction, ouais. Et puis j'aime, je joue quand même pas mal également aux jeux de stratégie et aux jeux de rôle un petit peu. Et éventuellement survie, simulation. Tous les jeux qui sont pas de l'action pure en fait. On peut renommer les maisons, ouais, tout à fait, j'avais vu ça. Tu peux le faire dans le menu également du jeu. Oh attendez, éviter, on va faire ça en plus dur. Déjà on va choisir où sont les portes et tout ça correctement. On va commencer par le mur ici. Porte. Bon, le mieux c'est mur en pierre avec porte, on est bien d'accord, hein, c'est le mieux ça. Je live jusqu'à quelle heure? Dans les 11h, mais pas trop tard non plus quoi. Alors là il y a avec une fenêtre. Je vais mettre deux fenêtres devant, c'est pour avoir une vue sur le village, ça me paraît bien. On peut décorer déjà comme ça, qu'est-ce qu'on peut mettre? Des volets en bois, regardez, le plan il coûte 500, hein. On n'est pas là de finir le village, hein. C'est vraiment extrêmement cher. Hein. C'est abusé, hein. Ouais, donc là j'avais déjà fini, je vais la détruire. On va se faire une belle maison. L'entrée comme ça, c'est peut-être pas le plus pratique. Hein. J'ai l'impression d'être un petit peu en hauteur, mais on essaiera de trouver des décos qui donnent peut-être un petit sentiment de sécurité comme ça. Ouais. Ça peut être pas mal d'avoir une vue un peu surplombante, je sais pas. Moi, ça me plaît bien. Alors là, un mur simple, je suis d'accord. Nouveau bâtiment déverrouillé, l'abri pour Anne. Ouais, non, j'ai un boulot à côté. Hein. Mais je suis pas si... Oh, zut, je me suis trompé. Ouh, pas l'habitude de faire des trucs un peu plus évolués. Mur, pierre. Je
peux faire pivoter la maison. Ouais, mais j'ai déjà choisi l'orientation dès le début. Hein. Et eux, ils mettent une fenêtre. On va en mettre une. On va faire symétrique. Hein. Je vais mettre une fenêtre également ici. J'ai pas pris des compétences, moi. Non, c'est technologie uniquement qui est montée, d'accord. Le mur en torchis, le mur en pierre. Ouais, bah impatient pour Kingdom Come Deliverance 2. Je veux dire, le jeu, il a même pas, quasiment pas été annoncé, quoi. Au début, ils ont dit qu'ils allaient faire une trilogie, mais ils en ont pas vraiment reparlé des masses après, j'ai l'impression. Donc, il y a pas vraiment eu d'annonce sur le 2, en tout cas pas que j'ai vu récemment, donc... Oui, je suis impatient qu'ils sortent, mais là, comme on n'en parle pas, ça fait pas spécialement monter ma hype, du coup, tu vois. Je trouve ça bien, je préfère qu'ils en parlent quand il est proche de sortir, plutôt que trop en avance. Sinon, on attend, on a envie qu'ils sortent. Ah, elle va être bien, la maison, là. Je crois que c'est la première chose que je vais vraiment décorer dans le village, ça va être la maison, déjà. Et on l'a vu, ça coûte cher apparemment, donc bon. Pour ne pas te tromper, tu devrais éditer tous les murs d'abord, ouais. Peut-être une manière de faire. Ok. Très bien. Alors le grenier en bois, il n'y a pas de choix. Par contre, là, c'est encore du mur, donc mur en torchis, mur en pierre. Donc ça consommait beaucoup de pierre, effectivement, hein, quand même. Mur en torchis, mur en pierre. Toit en chaume. Alors oui, alors là, attention, parce que est-ce qu'on aura ce qu'il faut? Le mieux, c'est les toits... Ah oui, c'est les planches, d'accord, ok. Toit en tuiles en bois, toit en bois. On va faire le top. Je veux le top pour ma maison. Donc toit en tuiles de bois. Et ce qui manque, on va aller faire des planches. Ça fait déjà un gros morceau quand même. Il va falloir faire ça 4 fois. Oh, attendez. Donc il faudra que j'aille faire une quarantaine de planches, plus ou moins. Même sans doute un peu plus. Alors, je vais suivre le conseil. On va, pour ne pas se tromper, directement éditer. Hop. Après, moi, la pierre, je trouve ça quand même un peu austère, mais on va décorer. On va faire le chemin qui mène depuis là jusque là-bas en bas. Alors, par où est-ce qu'on va passer? Déjà, on va dégager ces machins, ça me bouche la vue. Je me demande si on peut planter des arbres dans le jeu. C'est-à-dire pas faire des vergers, mais planter des arbres où on veut pour qu'ils servent de décoration, vous voyez, dans le jeu, pour qu'on ait des vrais arbres qui poussent, mais à l'endroit exact et de l'essence forestière qu'on veut, quoi. Est-ce que vous savez ça? Ok. Alors, on l'a dégagé. Donc. Voilà, et là, il y a le puits derrière. Là, c'est l'entrée, entre guillemets, principale. On est là. Oui, on va faire un chemin qui vient par ici. Ouais, ouais. On peut venir de là?
bien pouvoir quasiment continuer de... Peut-être faut enchaîner directement sans recliquer. On va venir chercher le coin ici. Et là. Je ferai sans doute un jardin ou quoi devant, mais je ne sais pas encore exactement comment, donc... Allez. Voilà, bon, faudra faire des décos. Hein. Faudra bien se dire qu'il y aura des décos plus tard. Eh ben, on y va. On va faire. On va essayer de faire des planches. Est-ce que je suis intéressé par la Victoria 3 qui va pas tarder? Oui, ça m'intéresse beaucoup de me pencher sur la question, en tout cas. Je vais regarder un peu... Je vois bien le type de jeu que c'est, hein, vu que c'est un jeu paradoxe de type grand stratégie. J'ai joué quand même à quelques-uns de ces jeux-là, mais... C'est des jeux quand même très compliqués, donc il faut que je voie si je veux vraiment y jouer pour moi, pas que pour la chaîne, parce qu'il faut vraiment avoir envie, quoi. Hein. Je pense que oui. Après, j'ai jamais joué à un jeu de grande stratégie qui se situe dans cette époque-là. Donc, est-ce que ça va me plaire ou pas? Je sais pas trop. Je pense que oui. A priori. Ok, alors les planches... Ça se fait... là. Excuse-moi, Harald. How are you? J'aimerais bien faire des planches. Tu peux te reposer un peu? Une petite pipe, par exemple? Je peux en faire déjà pas mal. Hein. J'aurai plus de rondins après, mais de toute façon, j'ai besoin de ces planches. Donc, on ne finira pas la maison tout de suite. Hein. Il n'y a aucun moyen, nous dit Diablotte, de planter des arbres autres que les fruitiers. Dommage. Dommage, dommage, après le jeu n'est pas encore fini à 100%, peut-être qu'ils vont rajouter ça plus tard. Extraction, qu'est-ce qu'on a eu? Ouais. Je vais pas pouvoir finir. Oh, attendez. J'avais quasiment fini, là. Ça va aller, alors. Sauf que maintenant, il va me manquer un rondin, mais c'est pas grave, ça, on va le couper un arbre ou deux. Oui, j'ai joué à Green Hell, hein. J'ai fait deux vidéos sur la chaîne. Il y a très longtemps, quand le jeu est sorti en accès anticipé, j'ai fait un peu le début de l'aventure. C'est vrai, on va regarder également pour l'isolation, parce que ça, j'ai encore jamais fait dans le jeu. On va regarder un peu comment ça fonctionne. Oui, là, il va en manquer aussi. Hein. Ouais. Ouais, mais des planches, on va en avoir assez, tout juste. Finalement, j'avais bien calculé. Roller Gamer, salut. On va regarder pour l'isolation. Je vais terminer le bois, enfin le toit, pardon, correctement. On va inviter Tibalda à nous rejoindre. Et après, on regardera un petit peu pour l'isolation. On va terminer cette hache là, hein. On va la dégommer. Hop. Objectif cochon après. Hein. Je veux des porcs, on a besoin de l'engrais, on n'a pas envie d'aller l'acheter tout le temps. Donc on a besoin de fumier. Les porcs vont nous produire le fumier. Faut pas que j'oublie également de modifier les plans de mes champs pour ajouter des lignes de seigle et d'avoine. On a besoin pour produire la nourriture pour les porcs.
Ce qu'ils appellent nourriture pour animaux, à votre avis, c'est pour tous les animaux pareil? C'est générique dans le jeu? Emmerich, bonsoir, hein, merci d'être venu. Tu peux semer des pommiers ou des poiriers dans le village. Planter, oui, ouais, tu peux les planter. Mettre ma maison au milieu du village, ça aurait été bien aussi. Mais bon, voilà, ça serait pas ressorti. J'aime bien là. Faut le faire l'isolation, surtout quand tu manques de bois. Bah, je pense aussi qu'il faut se faire plaisir et que j'ai envie de tester, tu vois. On n'a fait aucune isolation dans aucune maison pour le moment, donc je me dis que ça pourrait être pas mal de moins tester. Mais tu as raison, d'un point de vue pure optimisation, c'est si on manque de bois de chauffage que ça devient utile. On l'a fini là ? Ouais, c'est bon. En effet, il faudra décorer, hein, y a pas grand chose. Donc là, à ce moment-là, gestion. Tibalda d'office, normalement elle vient avec moi, j'imagine. Donc faut que je me bouge. Attendez, comment est-ce que je me bouge moi déjà ? Maison. Je suis pas dans la liste. Je bouge Tibalda, j'ai bougé avec elle directement ? Comment ça se passe ? Ah oui, voilà. C'est la famille. Ok, cool. Alors, l'isolation, ça marche comment ? Il faut prendre ceci. Mur en pierre calcaire. Alors, j'en ai que 7 déjà. Il en faut 8, donc déjà, c'est mort. Et ça fait toute la maison d'un coup. Ça, c'est pas mal, tiens. Le toit, apparemment, on ne sait pas le faire. Dommage, hein, il manque qu'un calcaire, zut. Je vais quand même la commencer. Ah. Ah, il faut faire de l'enduit éventuellement ? Oui, Laurent, embrassé, pas de problème, hein, va dormir. Le sommeil du juste. Le sommeil du brave. Ah, dommage hein, pour le calcaire. Où est-ce que j'avais trouvé ce calcaire ? Peut-être si je vais en ville, je peux en acheter juste un, quoi. Bon, c'est pas tellement grave. Est-ce qu'on produit ça quelque part ? Peut-être dans l'extraction ? J'ai pas mis parce que j'en voyais pas l'utilité pour le moment. L'abri d'excavation, qu'est-ce qu'on produit là ? Oui, on produit du calcaire. Bah, ouais, voilà, bah, ça se trouve, il y en a. Hein. Je vais aller voir. Oui, écoutez, j'ai vu la nouvelle que comme quoi la reine d'Angleterre était décédée. Bon, j'ai pas spécialement quelque chose à en dire, honnêtement. Tu dois isoler mur par mur. Non, tu isoles justement tous les murs d'un coup, j'ai l'impression. Attends, on va prendre le calcaire. La fouille, on va laisser. Est-ce que visuellement, il y aura un changement ? Alors l'enduit, par contre, ça pourrait rendre la maison plus belle. Ça va faire un genre d'enduit qu'on va mettre sur les pierres, j'imagine. Donc ça, j'aurais bien testé aussi. Je crois que l'isolation, c'est plutôt une isolation qui va être intérieure. Ah non, ce serait mur par mur. Ah zut, oui, t'as raison, Romain. Parce qu'il mettait tout en couleur, et du coup, j'ai cru que c'était tout en même temps, mais non, rien à voir. Ah ouais, cool quand même. Ok, après, on n'a pas fini, là, hein. De temps en temps, petit à petit, on pourra... Je vais vous dire un truc. Je pense que dans le jeu, il y a une profession qui est constructeur. Et donc, je pense qu'au bout d'un moment, on peut même automatiser ce genre de choses. J'en suis pas sûr à 100%. Mais ça m'étonnerait pas trop.
Ouais, ouais, Romain, tout à fait. Ah, je suis optimiste, tu sais, je suis toujours... Le mec, il comprend pas, qui dit « C'est de l'optimisme !» Ouais, c'est pas grave. Mais effectivement, avec ce jeu-là, faut pas trop s'attendre à ce qu'on ait des passe-droits au niveau du temps que ça prend. Par contre, ça fait l'extérieur en même temps. Bon, et l'enduit, il sert à quoi, alors? Et on fait où, l'enduit? Je sais plus. Non, l'enduit, c'est un truc agricole, je pense. Dans le jeu, je vais aller voir. Je crois que c'est là. Voilà, l'enduit. Un type de matériau de construction fabriqué à partir d'argile et de paille. Peut être utilisé pour isoler murs en torchis et en bois uniquement. Donc, ouais, ça peut être pas mal, mais là, je... Pour l'instant, je vais pas le faire. On va faire l'engrais à partir de pourriture. Les constructeurs réparent, mais ne craftent pas. Oh, mais vous faites que me décevoir. Vous voulez m'attrister, en fait. Ça aurait été rigolo de pouvoir mettre le plan d'une maison et que les constructeurs la fassent, quoi. Si on a les ressources. Bon, ils font que réparer, entre guillemets. Bon, c'est déjà mieux que rien. Donc, nourriture pour animaux, on va déjà la débloquer. Et on va changer le plan, on avait dit qu'on le ferait. Ouais, donc gestion. Champ. Ouais. Donc tout est... Elle a fait ce qu'elle pouvait, elle a tout labouré. Je sais pas trop combien de graines ça prend pour un carré, donc on va faire un peu au pif. Avoine. On va essayer d'en mettre deux, mais j'y crois... Je crois que la première année, je devrais mettre que un de chaque. Seigle. Je sais pas comment elle travaille, donc je pense qu'on va mettre deux lignes de chaque, mais on va les intercaler. C'est moins beau, je trouve, mais je me dis que c'est plus sûr. C'est pour une question d'engrais, vous voyez. Au bout d'un moment, quand on aura assez de graines de tout et d'engrais de tout, on refera tout correctement en faisant bien des belles parcelles. Voilà, là on va faire ça comme ça. Seigle et avoine, c'est ce qu'il faut hein, pour la nourriture des bestiaux. J'ai pas demandé qu'ils produisent de la nourriture, sinon ça va bouffer les graines, donc ça je veux pas. Gestion. Grange. Alors. Du coup, je pense que en automne, elle plante rien, elle sème rien. J'ai l'impression. Hein. La grange ne manque pas d'outils, donc c'est pas une question de ça. Cyril, merci beaucoup. Bonne nuit. Donc on va... Oui, on va rajouter... Mais il faut que je fasse une... Termine ma maison. Ah, ma maison est terminée, c'est vrai. On va aller récupérer un fermier en plus, peut-être. Et j'avais dit, bah, peut-être un bon extracteur pour mettre à la place d'Iwona, là. Pour qu'elle puisse pêcher. Ça, ce serait pas mal. Maintenant, en attendant, Alice. J'aimerais bien la mettre en ouvrier de ferme. Pour l'hiver. Parce que là, elle n'a plus rien à faire. Attendez. Hop. Alice. On va la mettre là. Et puis je rechange. Grange. Ouvrier de grange. Voilà, comme ça elle va faire les trucs que j'avais demandé. On va juste vérifier que tout est OK. Le jeu, mine de rien, il y a des côtés répétitifs, mais il est quand même varié. Quoi. On fait plein de trucs, on fait des quêtes, on chasse, on fait un peu de combat du coup contre les animaux, on fait de la gestion, on construit. Pas mal comme concept quand même. Hein. Vous savez qu'il y en a un qui va sortir sur le médiéval, le Moyen-Âge, pardon, japonais. Ça pourrait être cool, hein. Il y en a un sur le Far West aussi qui va sortir entre les deux. Je pense. Alors du coup... Ah, on n'a pas de graines ?
Ah, mais c'est parce qu'on a exploité, mais il faut... Il faut s'occuper de... Attendez. Ressources manquantes. On n'a pas de lin, on n'a pas de blé. Oui, donc on ne sait plus produire de graines, mais on les a déjà produites. Alors, on a 19 de blé, 58 de lin. Avoine et seigle, attendez, j'avais pas mis dans l'inventaire. Engrais. Voilà, graines d'avoine, ça qu'il faut qu'on rajoute pour la saison prochaine. Et graines de seigle. On est d'accord, hein. Pas trop en quelle proportion. Voilà, on essaye de faire un truc comme ça. J'ai baissé un peu l'engrais, tiens. Hop, on va mettre 15. Voilà. Je crois que c'est bon. Je vais vérifier si j'ai bien mis les graines dans les stocks. Non, je les ai pas mises, ok. Ok, ça c'est pas mal, hein. Celui du Japon ne contrôlera pas qu'une seule personne de ce que j'ai pu voir. Ah, tiens donc, on ne contrôlera pas qu'une seule personne. Comment c'est possible? Ah, il faut battre le blé. C'est pour ça que je l'ai mise en ouvrier de grange, hein, Sylvain, comme ça elle va le faire. Moi j'ai pas envie de le faire, en plus en hiver elle va rien faire d'autre non plus, donc elle va s'occuper de ça et au printemps on la remet au champ. Ok. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là, on a bien avancé. Je crois vraiment que le prochain objectif, ça va être donc d'aller recruter deux personnes pour mettre dans la nouvelle maison, enfin dans la maison que j'ai libérée, mon ancienne maison, un gars et une fille, et essayer de faire un élevage de cochons pour avoir une source d'engrais infinie. Ouais, la maison du chef, elle est bien là, hein. On va bien la décorer, ça va être bien. Et je voudrais vraiment ici avoir une petite zone de regroupement. On aura un genre de place ici. Bon, là, il y a les champs, vous allez me dire. Mais bon, ça reste un village, hein, c'est pas non plus... Ça me paraît cool. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas que si vous voulez soutenir ce que je fais, n'oubliez pas que vous pouvez donc devenir membre du collectif. Ça vous donne certains avantages sur le Discord. L'accès au badge si vous devenez membre via la souscription YouTube. Le bouton « Rejoindre ». Et la deuxième possibilité, c'est de faire un don mensuel récurrent sur Utip. Voilà, rien d'obligatoire, évidemment, mais ça aide vraiment, évidemment, beaucoup. On se retrouve bientôt pour la suite. Il y aura d'autres vidéos, il y aura d'autres lives. Je ne sais pas encore quand. A priori, les lives, c'est le jeudi. Donc, le prochain live, jeudi prochain, ça devrait être Medieval Dynasty, a priori. Et entre les deux, il y aura des VOD, il y aura des vidéos et il y aura peut-être également un live en plus parce que j'aime vraiment bien faire ça avec vous en live, en direct. Ça m'aide de vous avoir avec moi. Je m'amuse aussi encore un peu plus quand vous êtes là. Mais sinon, ce sera des vidéos. Allez, bonne soirée. Emmerich, salut. Jeune Zélie, tout le monde. Godin, hello à toi. Je t'ai pas salué tout à l'heure. Merci d'être venu. Kenny, bonne nuit. Maxime, merci à toi aussi. À bientôt. Salut tout le monde !